Cet idiot, fais près de ma fenêtre. Ah, hein Tu m'espionnais, n'est-ce pas Ah, non, madame Jamais Madame, j'étais à mon poste de travail. Alors, je vois un truc qui rampe. Ça rampait, rampait, rampait doucement, doucement, ça venait à votre fenêtre. J'ai donc voulu venir voir ce que c'était. là. Madame, ce que mes yeux ont vu est incroyable. Ah là Quand je suis venu, j'ai vu un, un serpent. Euh, pardon, un lézard. Un lézard Oh, si j'ai bien compris, tu essaies de dire que dans ma concession, il y a des reptiles, n'est-ce pas hein? Exactement. Dans ma concession. Oui, madame. Espèce d'idiot. Ah. Un gros idiot. Oui, 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 oui. Pourquoi Tiens. Madame, prends cet argent et achète-moi une carte de recharge. Ah? Une carte de recharge. OK. Ah ah. La prochaine ah. fois que tu essaies ça, tu es viré. Tu es viré. Est-ce que tu comprends J'ai compris, madame. Est-ce que tu comprends J'ai très bien compris. Espèce de petit filou du Nord. Merci, madame. Idiot. Quoi Qu'est-ce qui arrive à celle-ci hein? Pourquoi tu regardes Tu es devenue folle. Regarde-moi ça. Idiot. Lézard. Et puis, cafard. Amaka, tu n'es qu'une moumou. Ce qu'une moumou Ah, Maka, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu ris Il est maintenant Ce n'est pas ce gars de Moussa. Madame la surpris en train d'espionner et il lui a dit qu'il a vu euh, le lézard, le, <laughs> le serpent. <laughs> le serpent et le lézards dans cette concession Que le tonnerre nous frappe <laughs> <Allah> Que <laughs> le Regarde tonnerre là, nous frappe C'est ton à le tonnerre, va frapper. Heureusement que tu sais. Oh, regardez-vous Regarde-toi, tu ne connais même pas le français vos têtes sont comme des vos têtes sont comme des oui, non, Vos têtes sont comme des. poubelles en poste de circulée. travail C'est quoi votre travail dans cette maison Tu es noir hein? comme -le. le charbon. Quel est votre es job dans cette maison Ce n'est pas Et de toi, manger. Tu travail. Votre... Travail. Vous Attends. ne savez rien. Tu es noir. Votre travail c'est de manger. C'est de manger, <rire> manger, manger. Bande <laughs> bon, inutile. Vous ne servez à rien. Hein

lover, eh, eh. dancing in your hobby, baby. Shake your body well, well, baby. Shake your body well, well, baby. Shake your body well, well, baby. Shake your body well, well.

Daughter. Your money no dey finish. it too long. Your money no dey finish. Fatty, fatty mama, you carry good heart. fatty, fatty mamma, you get good. and I have now when they <tries> not Fatima, mamma, I wouldn't be mamma, I Ok, qu'est-ce que vous regardiez toutes les deux, bande d'idiotes Rien, madame. Rien, madame. Rien, madame. Rien, madame. rien, rien. rien comment Rien, madame. C'est quoi, rien, madame Non, Je... C'est quoi, rien, madame Je... Je... Hein je suis désolée Donc, madame. Vous étiez là à m'espionner c'est non. Non, non non non, non pas madame pas du tout. OK. Vous dites pas désolée. Non madame, vous osez nous nous me dire pas dire parce que vous êtes désolée. Nous ne sommes pas désolés madame. Ah je vois. Non. C'est bien. Ma... Je vois madame. tout vous n'avez rien à faire. Non. Bah, alors, je vais rendre votre journée utile. Venez là. Mettez-vous à genoux. <laughs> Ah, ah, allô Ah, allô, Fred. Pardon, sors vite, je suis fatigué d'attendre. Fais vite, je suis devant le portail. Si tu veux, ne sors pas. Reste là-bas si tu veux. Je vais seulement entrer dans cette concession. Je vais entrer là-bas, tu vas voir. Imbécile. Tu parles comme une personne qui est énervée. Quel est le problème Je suis contente. Je suis même folle de joie. Fred, la chose que tu as commandée est arrivée. La chose que j'aurais commandée Mais à quoi est-ce que tu fais allusion Mais j'ai rien commandé du tout. La chose que tu as commandée est arrivée. Donc, maintenant, tu dois me donner les frais de livraison. Les frais de quoi de livraison? Mais je n'ai commandé aucune chose. Je n'ai rien commandé, je t'assure. J'ai rien commandé. La vie de ma mère, j'ai rien commandé. Ok. Comme tu ne comprends toujours pas, Fred, je ne vois plus mes règles. Je suis enceinte. Tu crois? Je suis enceinte. Et tu en es le l'auteur? Tu en es le tard. Tu en es le tard. Mais dis-moi, tu en es l'auteur? Ça... Non, j'ai bu ça dans l'eau. Tu continues à nier, je vais entrer là-dedans et aller voir ta madame. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça qui est le père? Eh attends, attends, ne te fâche pas. J'ai juste mis le bout. D'accord Non. C'est le gros tchoum que tu as fait. C'est le gros tchoum que tu as fait. Tu t'as dit que je suis enceinte. Au lieu de réfléchir comment gérer ce problème, tu, tu es là pour me crier dessus, n'est-ce pas Ok, qu'est-ce qu'on fait Je voudrais surtout pas importuner madame avec ce genre d'histoire. Ce que est beaucoup trop lourd à supporter pour elle. S'il Te plaît. Je vais avorter tout le monde sera. Ah, tu vas te faire avorter les mains <laughs> Alors très bien, très enfin, très bien. C'est bon, tu te fais avorter et tout le monde est content. Donc tu veux que j'aille comme ça Enlever le truc. Tu veux que j'aille enlever le truc? Et tu ne comptes pas me donner de l'argent pour le faire? Ou bien tu veux que je donne mes dents au docteur? Hey! Seigneur! Et puis, vas-y, dis-moi, ça, ça coûte combien un pas Le docteur a dit que c'est juste 20 000 naira. Hein? 20 000 comment? Pour une aussi petite chose? Hey! Quand je regardais, il ne fallait pas me regarder en retour. Il ne fallait pas me regarder en 20 000 pour une aussi petite chose? Attends que je te dise, dans mon village en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de problèmes. Tu connais ma grand-mère, celle qui est morte à l'époque. Je ne te l'ai jamais dit parce que celle-là, tu ne la connais pas. On est convenu qu'on irait l'enterrer. Et ma maman, je t'assure qu'en ce moment, elle est aussi décédée. Après ma grand-mère et mes enfants en ce moment, je t'assure que c'est très, très, très compliqué. Attends, tout ce que tu viens de citer là, ce sont tes problèmes du village. Tout ce que tu dis là, ce sont tes problèmes du village. Je te parle des problèmes de la ville. Je suis ton problème de la ville. Tu dis que tu veux résoudre tes, tes problèmes du village, n'est-ce pas Qu'ils sont plus importants. Tu veux les résoudre. Hey ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller expliquer ça à ta madame. Attends, attends, attends. Je sais que ça t'énerve, d'accord Mais attends, je vais simplement te donner... On va, on va régler ça. Je vais te donner tout l'argent dont je dispose dans mes poches en ce moment, d'accord Voilà, donc je... Voilà, je... Voilà, c'est à peu près... Voilà, 5 000 naira. Attends, Fred, 5 000. Non, 5 000. Je t'ai dit que ça coûte 20 000. Tu ne me dis même pas. Ok, prends 15 000 pour commencer. Tu me donnes 5 000 Ce n'est qu'une avance. Ce n'est qu'une avance. Donc, je te donne ceci. Tu vas le donner au médecin qui va pratiquer l'avortement. Wow. Rassure-toi et après, je vais te donner l'autre partie. Rassure-toi. on va. Si y tu veux, laisse-moi encore revenir ici. Cette fois-là, je ne vais même pas perdre mon temps pour t'appeler au port très directement pour voir ta grosse patronne qui ne sait même pas ce que tu fais. Hmm. Hey Mais c'est quoi ce problème C'est quoi cette fille Je vais aller. Cette fille, cette fille! Mon regard ne s'est posé sur toi qu'une seule fois! Ah, si je t'avais regardé plus attentivement, hey Seigneur! Tu étais là? Hé! Hey un second problème! Un second problème! Un second problème pour un homme déjà mort! Hé! Hey C'est vraiment pas de bol! Chérie, euh, ch chérie, euh, -ce je te pla... ne, ne, ne t'énerve pas! Rien de ce que tu as entendu à l'extérieur ne doit sortir de cette maison. Je, je en ne comprends plus. pas. De quoi est-ce que tu parles Je t'ai dit que j'ai entendu quelque Dis chose. Je rien entendu, mais je sais que tu as entendu quelque chose. Pour l'amour du ciel, n'en parle à personne. Tu vois, cette fille, elle est stupide. Surtout, n'en touche pas un mot à madame de ce qui s'est passé. Pour l'amour du ciel, n'en parle surtout pas à madame, s'il te plaît. S'il te plaît. Très bien, laisse-moi te dire. À partir d'aujourd'hui, si je te traite encore de... d'évergondé, alors ça fera de moi un bacar. <laughs> Et qu'est-ce que tu es Je suis un babouin. Qu'est-ce que tu as dit Babouin. Uh -huh. Je suis un babouin. Répète encore. Babouin. <rire> babouin. <rire> tu vois tout ce qui vient de se passer Je vais tout raconter à madame. Hey, 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 hey. Attends, s'il te plaît, attends, attends. Billy, attends, je, je te donne de l'argent. S'il te plaît, s'il te plaît, prends cet argent. S'il te plaît. Je t'ai demandé de l'argent Non. Donne-moi ça. <laughs> Manifestement, toutes les femmes sont les mêmes. À l'une, je lui ai donné 5 000 Naira, elle les a arrachés sans me dire le moins de merci. Et celle-ci, j'arrive à collecter 2 000 Naira, elle les prend sans le moins de merci. Hey! Dieu du ciel! Hey! Ah, Stan, qu'est-ce qu'il y a? Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Hein Je suis fichu, fichu, fichu. <laughs> pourquoi? 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 Ha! Ah. Pourquoi? Tu ne peux pas comprendre, mon frère. Les gens de mon village vont me finir, mon frère. Ils vont me finir. Pourquoi mes choses sont toujours comme ça? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas vrai. Une femme que je suis depuis trois mois déjà. Uh -huh. Depuis, depuis trois mois. Hey Cette femme Celle que tu disais qu'elle t'a demandé d'envoyer ton compte Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Jusque-là, je ah. ne comprends pas. Elle t'a bloqué Cette femme m'a bloqué. Hey Je te dis, elle m'a bloqué. Ah, mec, je suis fatigué. Ma destinée n'est pas faite pour ce genre de boulot. J'en ai vraiment marre. Je veux ce qu'il y a dans ma tête. Je veux de l'argent. C'est bon, calme-toi. Je veux calme juste un peu d'argent, moi aussi. Je veux une voiture. Je veux une belle vie. Je veux une femme. Veux... Calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est pas trop une demander. Une autre femme viendra. Quelle autre femme, mec Tu penses que c'est facile de tomber sur une autre femme riche Hein C'est pas possible. Calme-toi, non? Calme-toi. Tu, tu, tu me demandes de me calmer, je me calme. Pourquoi? Est-ce que c'est à toi que ça arrive? Ah, j'en ai vraiment calme marre. Calme-toi un peu. J'en je, ai marre, j'en je ai, ai marre. Une autre femme viendra. Certainement, un autre, ai, autre ai pigeon viendra. C'est bon, calme-toi, calme-toi. Un autre pigeon viendra. J'ai envie de casser ce laptop. J'en ai marre. Tu calmes. Oh, calme-toi, tout ce que je fais échoue. J'en peux plus. Calme-toi, une autre femme viendra. Mes ancêtres ne m'aiment pas. Les gens J'en m'aiment vraiment pas. J'en ai marre. Oublie un peu ces villageois. Je suis sûr que les ancêtres. Laisse-moi tranquille, je n'aime pas ce que tu fais là. J'en ai vraiment marre. Une Sans autre dire. femme viendra. Moussa Oui, madame Ouvre le portail. Tout de suite, madame. Ouvre le portail. Yo Dépose le sac. Ah. Oh. Anita Où sont Amaka et Billy Elles sont derrière, madame. Faisons quoi Je les paye pour être derrière Je les paye pour être là-bas Ah, oh, va me les appeler. Et toi Que fais-tu là ah, J'attends que vous entriez dans la voiture. Ah Qu'est-ce qui retarde ces idiotes Guenon Babo. Anita Amaka Billy Anita Oui, madame. Amène ton cul pourri ici. Qu'est-ce qui t'a retardé Hein Désolé. Viens ici. Viens ici. Viens, viens ici. J'ai dit viens ici. Qu'est-ce <laughs> qui te cloche chez toi Hein La prochaine fois que je t'envoie un message, quand je t'envoie faire une course, tu marches comme un militaire. Compris Oui, madame. Et les gonons. Je vous paie pour rester derrière Non, madame. Non madame. Que faites-vous là-bas Désolée, madame. Hein Rien, oui, madame. La prochaine fois, vous perdrez vos dents. Vous les perdrez. Et toi, j'en finirai avec toi. Anita. Oui, madame. Tu sais combien j'aime la nourriture, n'est-ce pas Pas vrai Oui, madame. J'aime les mets délicieux. Je veux manger raffiné. Je veux manger ce qui est bon. Ajoute, okay. ajoute des sucreries. Des sucreries, du chocolat, des bonbons. Tout ça, tout ça. Mm -hmm. Compris Oui, madame. Dégagez. Mm -hmm. Dégagez. Et toi, Guenon, fais la lessive. Lave mes dessous. Si possible, ajoute un désinfectant, ok? Lave très bien mes dessous. Quand tu les sécheras, assure-toi, assure-toi de bien les repasser. Est-ce que tu as compris? Dégage! Toi, je vais te virer. Oh, je dois crier tout le temps. Hey, toi, t'as rien à foutre? Pourquoi restes-tu planté là, hein? Je veux partir, Madame. Qui est ta Madame Ai-je l'air de... Oh non, oh non, oh non. Putain, je vais péter un câble. Ai-je l'air vieille à tes yeux Non. Ai-je l'air plus vieille que toi Je vous ai regardé par l'esprit. Hein Non, regarde-moi bien. Ne suis-je pas, ne suis-je pas sexy Vous êtes sexy. Ne suis -je pas sexy <laughs> Vous avez du sexe à pile. Pourquoi m'appelles-tu Madame ah, Comment la... oses-tu m'appeler Madame Madame, vous êtes tellement sexy à la maison, vous cassez tout, n'est-ce oh, pas Oh, la ferme La ferme Merci. Tu ressembles à un sale petit babouin. Merci. Toi, très bientôt, si tu me mets encore en colère, je te... Je vis. ne le ferai plus, madame. Si tu m'énerves encore... Maintenant, appelle-moi sexy. Ah, se sexy. sexy. Ne suis-je pas sexy Sexy Ne suis-je pas sexy Vous êtes sexy Je suis sexy, n'est-ce pas Vous êtes sexy. Ne suis-je pas sexy Sexy. Appelle-moi sexy. Sexy. Appelle-moi encore, madame. Je te vire. Désolé. -ce que madame. tu comprends? Viens fermer la portière. Et hey, les gnomes que faites-vous encore là? Oh, je perds du poids quand je crie. Oh non. Madame, que j'aille éteindre le groupe électrogène. Ferme la portière.

Va ouvrir ce portail, vite! Hein? Pour qui? Écoute, Wallai, voilà, je t'avertis, ne tentez pas, ne tentez pas de me commander dans cette concession. Tu m'as bien compris? <laughs> Désolée, j'essaie juste de me comporter comme ta <rire> Oh! <rire> Ma soeur, voilà, je suis dépassée. Hein? <laughs> Attends. Eh, hey, notre madame, hum? qui est son mari? Marie? Hum? Elle n'est pas mariée. Oh, Ouzubilay. Comment notre madame, qui est si grasse comme ça, n'est pas mariée hein Où prend-elle tout cet argent qu'elle dépense, 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 dépense Attends, qui a construit cette si belle maison et lui donné Cette maison et tout ce qu'il y a autour appartiennent à ses parents. Oh. Son père et sa mère sont bourrés d'argent. Et ce n'est pas peu. Là, il a... Hmm. C'est vrai, ça Oui. Voilà une autre madame, là. Elle est très chanceuse. <laughs> <laughs> eh, eh. Dis-moi. Mm -hmm. Où sont ses parents là Ils sont où Ses parents sont morts dans un accident de voiture il y a dix oh, ans. Bilai, bilai. Et depuis là, elle a hérité de tout ce qui leur appartient. La maison et tout ce que tu vois ici lui appartiennent. Là, là, là. Moussa, là, là. Moussa, tu mm -hmm. vois notre Madame Son mm -hmm. deuxième nom c'est l'argent. Là, ah. c'est vrai ça mm -hmm. Voilà, tu vois notre Madame là Elle est très, très chanceuse. Mm -hmm. hein en fait mais elle est grosse là mm -hmm. c'est comme ça que sa chance est grosse 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 <laughs> voilà je vais te dire un truc hein? euh... elle est trop grasse mm -hmm. là voilà. elle est trop grasse il faut arrêter de lui donner trop de nourriture il faut arrêter de lui donner trop de nourriture parce que tu sais trop de nourriture c'est la corruption Moussa. tu ajoutes la corruption corruption sur Moussa, la corruption je déjà fille, suis hein? pour rien je ne suis même pas concerné je n'ai même pas envie de te parler regarde moi ça moi j'ai juste parlé hein j'ai juste parlé Stan, Stan qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as cette main? C'est quoi le problème? Je suis fatigué. Cette vie m'énerve, je suis fatigué. Hein Un moment, tu as de l'argent. Acheter des vêtements, faire de petites choses. Le temps d'après, tu es fauché. Pata, pata. Présentement, où je te parle, je ressens de la famine. Et hein? la semaine prochaine, le bailleur va nous déranger pour le loyer. Stan. Veux-tu que je trouve de l'argent? Et c'est pour ça que tu t'inquiètes, n'est-ce pas, toi et moi? Allez, une fois sur ce pont, nous allons le traverser. De quel pont es-tu en train de parler, hein À l'heure actuelle, on est déjà à côté du pont. On est même déjà sur le pont. La semaine prochaine, c'est dans combien de jours Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq jours. Cinq jours. Cinq jours. Quelle magie feras-tu Comment vas-tu avoir cette argent dois donner la mort Allez, oublie ce problème et allons-y. Euh, allons boire un verre. Question de se rafraîchir un peu. Tu veux aller boire une bière Hein donc, une bouteille. Alors, en prenant une bouteille maintenant, cette bouteille paiera le loyer. Que okay. tu la ou pas, tu vas toujours payer. Alors, de quoi parle-tu Mon frère, je ne veux rien prendre pour le tu moment. Je ne veux rien prendre, hey, ça Je suis fatigué, hé, hey, pour rien euh, du monde. Moi, je vais partir. À mon retour, je vais t'acheter deux sachets de gin. hein Moi, je m'en vais. Tu sais, je te comprends. Le peu d'argent que tu as, au lieu d'être intelligent et d'aller garder cet argent, tu préfères aller le gaspiller en prenant des bières, n'est-ce pas Pardon, je t'ai averti. Garde cet argent pour donner au bailleur. Qu'est-ce qu'ils racontent eux-mêmes? 5 000? 20 000? Ça ne va pas aller. Euh, <laughs> C'est 250 000 qu'on paye dans cette maison. Oui, j'en ai marre. C'est mieux que j'entre à l'intérieur. Au lieu de garder l'argent, l'imbécile s'en va boire. Frérot, frère. Comment se fait-il que tu rentres vite Qu'est-ce qui s'est passé euh, Écoute, mec, ce que je veux maintenant, c'est une bière bien glacée. Je retourne au bar pour en prendre une. Euh, attends, il y a un truc que tu ne me dis pas. Qu'est-ce qui se passe Tu as de l'argent pour aller t'acheter des bières. Pourtant, il nous manque l'argent. Juste du une loyer. bouteille de bière, non Allons-nous, utilisez l'argent d'une bouteille de bière pour payer la mon maison Mon frère, fais très très attention. Bon, je vais me changer. D'ailleurs, pourquoi tu veux changer d'habit Pourquoi tu veux changer d'habit Hein Même si on me dit quoi, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas, mon frère. Tu dois me parler. Parle-moi, mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas Viens me le dire. Hey, tout le monde! La fille du milliardaire est là. Hein? J'ai du fric et vous le savez. Quand on ah, parle par la bienvenue! <laughs> Les filles, Bien quoi de neuf. Oh, ouais. Vous avez l'air en colère. Mm -hmm. Vous voulez de l'argent? Oui, oui. Vous avez besoin d'argent? Oui. Je vois. Je suis là pour vous les filles. Je suis toujours là pour oh. vous. Quand on voit oh. Fatima, on voit oh, l'argent. Quand, Quand on parle de Fatima, on parle d'argent. Quand on parle de Fatima, on parle d'argent. Ok. Et hey, toi, mec, t'as l'air en colère. Tiens, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. C'est ma tournée, ok? Ok, ouais, j'arrive. Ceci est pour vous tous, ok? Oh. C'est ma tournée, c'est ma tournée. Alors, les filles, quoi de neuf? Dites-moi quoi de neuf? C'est ma tournée, c'est ma tournée, je l'ai dit, c'est ma tournée. Apportez mon whisky, vous connaissez mon goût. Comme d'hab, comme d'hab. Hé <laughs> hé, chut, une seconde. Comptez avec moi, il faut sourire, il faut sourire. Tu dois sourire. Merci. Ok, ok. Wow, c'est super. Qui est cette femme et pourquoi est-ce que les gens lui accordent autant d'attention Tu veux dire cette fille Oui. Son nom c'est Fatima. Fatima ah, Oui. Je ne connais vraiment pas les gens et j'apprends juste à les connaître. Je suis nouveau ici. C'est la fille unique oh. du feu, Chief Aoudou, de la société Aoudou et Fissar. Oh, est-ce pour cette raison qu'elle jette de l'argent ici Son père a été multimilliardaire jusqu'à sa mort. Oh, mais elle continue à jeter de l'argent. Est-ce pour tu ça Tu n'a même encore rien vu. Son père lui a laissé tellement d'argent. Et on est toujours contente à chaque fois qu'elle vient ici. Moi aussi, je suis content. Elle continue à jeter de l'argent. Où est le poisson Oh, C'est bon, merci. Ok. Um, apportez un verre. Hé, hey, espèce de singe. Quand es avec moi, fais un sourire. Oh non Tu me fais peur. Désolé. Peu importe. Ok. Apportez un verre. Dépêchez-vous. Ce truc est bon. Mm -hmm. Fais ton job. Ok. Fais ton job. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. C'est super. C'est super, n'est-ce pas? <laughs> Vraiment bon. Vraiment bon. Quand je mange, tu salives. Quand je mange, tu salives. Salivé, salivé, ouais. OK. S'il vous plaît. Que signifie saliver mmh, C'est avaler la salive pour moi. <laughs> mmh. Madame, vous êtes stupide. Vous êtes folle. Non, désolé. Tu me ah non, non, ne s'agit pas de vous. Ça ne s'agit pas de vous. Vous savez de quoi je parle. <laughs> mmh. Voilà. OK. Apportez, apportez-lui de l'eau. Qui est là De quoi vous parlez Apportez de l'eau à mon chauffeur. Euh, non, madame, je n'ai pas besoin d'eau du tout. Je... Tu ne veux pas euh, Je vais bien. Non, non, pas bien. Alors apportez-moi de l'eau. Vous buvez de l'eau De l'eau. Euh, je ne veux pas être méchante. Tiens, goûte ça. <laughs> euh, merci. Quand as-tu brossé la dernière fois Dégage. Dégage. Mm. Apportez-lui de l'eau et une brosse à dents. Frangin Oui, mon frère. Tu es rentré Je je, je n'en crois pas mes yeux. Que se passe-t-il Hey Ago, Ago, Kunk, Ago, Ago. Hey, mais qu'est-ce qui se passe Qui est Ago Tu es Ago, non si au moins tu voyais ce qui s'était passé aujourd'hui, tu allais dire que nous ne sommes rien. Je me demande si Dieu n'est pas partiel. Que se passe-t-il La fille dont je te parle euh... là, en fait, son nom devait être Okuzuna. Okuzuma ok C'est son vrai nom Cette fille grasse, remplie de chair, très okay, grasse. Okay, ok, ok, La fille en question, si tu voyais comment elle jetait de l'argent, tout le monde se précipitait. Elle, elle, elle a jeté de l'argent sur euh... moi, mais je ne savais. Elle jette de l'argent, elle jette de l'argent. Tu as sais, qu'elle si a de l'argent, c'est ça que je dire. À qui demande. tu demandes son père lui a légué des centaines de millions de naira. C'est vrai. Et son. son père est décédé. Mais sérieux? Hey. Pourquoi est-ce que. Hey! Euh, attends, attends. Ce que tu viens de dire là me rend euh, gay. J'aime l'argent, mon frère. Je vais te demander quelque chose, hein? Mm -hmm. Est-elle venue avec quelqu'un, genre euh, un ami, un sous-garde à ou quelqu'un d'autre? Non, son garde du corps la suivait. Un homme avec, avec, avec un gros ventre. C'est lui qui la suivait. Elle est grasse je te dis, si je tu sais, la vois... Euh, dans mon village, on n'aime pas les gens qui sont gros, mais moi, je suis différent. Si elle est grasse que veux -tu dire? et qu'elle a de l'argent, je l'adore. <laughs> je suis déjà ça. amoureux d'elle, je Tu devrais voir cette fille. On dit, on dit, on dit qu'elle vient au bar tous les jours, mais je, je, je ne suis pas très sûr pour aujourd'hui. Moi, je vais sortir. Tu veux la voir Je vais m'apprêter. Je vais sortir demain. Je la verrai après. Je te dis... Si tu vois cela, je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Alors, Nelly, sais tu de dire Ce que j'essaye de dire, c'est, Fatima, tu devrais revoir la manière dont tu jettes l'argent en public. Et... Qu'est-ce que le fait de jeter l'argent en public a à voir avec... Moi, toi, <laughs> ou le public il y a des ravisseurs partout et tu pourrais les attirer. De, de plus, je, je n'ai pas d'argent et, et de force pour me mettre à courir partout pour payer des ravisseurs. Vraiment Oui. Ok, ok. Je comprends et je sais que mon ami s'inquiète pour moi. Mm -hmm. Je te remercie beaucoup chérie. Mais crois-moi, zéro kidnappeur. En, en plus... Par où vont-ils commencer Peuvent-ils même soulever une partie de mon bras sans parler de tout mon corps Comment C'est pas possible. Fatima, <laughs> peux-tu être sérieuse, s'il te plaît Mais c'est vrai. Ok, ok. J'ai saisi la blague. Blague à part. Je suis sérieuse. Ma chérie, tu dois te marier. Écoute-moi, tu ne peux pas gérer tout cet argent toute seule. Chérie Fatima, tu as besoin... D'un homme qui va te soutenir. Tu sais, être avec toi et faire des trucs pour toi. Ok, ok. Nelly. Oui. Tu es ma meilleure amie. J'apprécie énormément notre relation de tout mon cœur. Et je t'aime beaucoup. Mais s'il te plaît, ne te moque pas de moi. Hein? Oui, parce que toi et moi savons que. Aucun homme ne m'approche. Je n'ai jamais eu un homme à moi. Ok, d'accord. Comme tu te soucies tellement de moi, pourquoi ne me donnes-tu pas ton frère Donne-moi ton frère, il m'épouse. Oh, voyons, mange, tu sais bien que ce que je dis, c'est la vérité. Et euh, puis... Arrête là, pas de mais. Là maintenant, je suis dégoûtée. Merci. Merci d'avoir gâché ma journée. Ok. Oh, non, non. Ah, je suis vraiment. Fatima. Peu importe, tu me tires. Tu as oublié ton jus. Peu importe, bois ce que tu okay. veux. Ok, je suis désolée. Ramène-toi là. Attends, mm. tu dis que j'appelle qui, qui tu, fais plus pur, tu as osé venir dans cette concession Hein Non, ce n'est pas ce que tu fais là, hein? Tu fais entrer des gens n'importe comment dans cette concession. Ah, fais comme tu veux. voilà et si tu continues comme ça, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer mes couleurs. Pas de problème. Qu'est-ce que tu vas chercher ici? Tu veux ma tête ou quoi? Hein? Je croyais t'avoir dit de ne plus jamais remettre les pieds ici. J'ai dit que je venais prendre mon argent. Tu as dit, ma caisse. Attends. Relax. Calme-toi. Je viens. Je viens. Je vais venir. Je n'ai pas venu. Alors je suis venu prendre mon argent. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, attends quand j'aurai de l'argent, je te le rendrai. Maka, attends. Pardon, donne-moi mon argent. Hey Si ma madame te voit ici, je suis dans le <laughs> bras. Si tu ne me donnes pas cet argent maintenant, je vais aller directement chez elle. Aller où Je vais le dire à ta madame. Attends, attends, Tu veux attends, parier Tu es trop colérique. <laughs> ne te fâche pas. <laughs> hey, seigneur. Alors, si je te laisse maintenant, tu iras voir madame lui dire que je t'ai fait quoi Tu veux savoir ce que je vais lui dire Attends, écoute. Écoute ce que je vais lui dire. Madame, ne vous fâchez pas. Bonjour. Ça, c'est si ma colère va même me laisser la saluer. Sinon, ça sera bonjour. Madame, je suis venue. Votre employé, que vous n'avez pas bien formé, qui est un homme inutile, est venu me donner la grossesse. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour le suivre. Je est suis homme un un inutile. Et tu as accepté que je couche avec toi Tu ne devais pas coucher avec moi. Je suis bien. un homme sans de côté. Allez, ferme-la. Oui je vais te Donne donner cet ça. argent. Et il, ne... il ne revient plus jamais ici. D'accord Ça c'est 10 000 naira Prends d'abord ça Je vais t'apporter le reste, tu as ma parole Fred, je n'ai pas l'argent de taxer à dépenser en auto. Je n'en ai pas. Si tu ne me donnes pas... Donne, donne-moi l'argent. donne, -moi donne. Si tu veux, donne-moi les 10 000 naira. Donne-les-moi. La prochaine fois que je vais arriver. Si je, tu veux. Je, je te dois. Allez. 10 000 naira. Euh, 10 000 naira. Euh, 10 000, naira. Il, il reste 5 000. Pardon, ajoute l'argent. Allez, allez, sors. sors Pardon, 500, ajoute l'argent. Allez, ah. allez, sors. Je vais revenir. Attends cette femme Fred cette femme qu'est-ce qui se passe chef tu ne comprendras pas je ne peux pas comprendre dans cette concession c'est moi le chef de la sécurité voilà hey. je n'ai pas fini de comprendre tu penses que je comprends pas je comprends tous tes mouvements hein si tu veux va à gauche va à droite va au centre va derrière moi j'ai déjà tout compris <laughs> tu penses que tu peux tromper la sécurité Ok, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes là depuis deux heures de temps. Nous buvons et je n'ai toujours pas vu la fille dont tu m'as parlé. Oh, -tu... Attends, laisse-moi te dire quelque chose. Kabila l'argent. Je te connais, j'espère que ce ne sont pas des blagues. Je te préviens, j'espère que vas ce ne tu sont pas es des blagues. Hein Pourquoi es-tu pressé? Je t'ai amené ici pour quelque chose. Je me calme. Calme-toi. Je me calme. Ne me juge pas. Ne me juge pas, c'est comme ça que je parle. Salut? Euh, désolé. Euh, cette femme qui était là hier euh, distribuant de l'argent. Oh 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 Fatima c'est ça oui oui je la connais va-t-elle venir aujourd'hui pourquoi pas es-tu sûre très sûre. Tu, tu la connais mm -hmm. tu as entendu tu dis qu'elle s'appelle Fatima oui elle est grande alors elle vient ici tous les jours oui bien sûr elle vient chaque jour et tu sais quoi quand elle vient elle met tout le monde à l'aise dans ce bar oh ah donc tu es sûr que elle, euh, elle va venir Calme -toi, ici calme-toi relax elle va arriver bientôt ah ok <laughs> sans problème merci Qu'est-ce que je t'ai dit Au fait servir à mon ami une autre bouteille. Euh, okay. Je vais payer pour -ce cette que boisson. Qu'est-ce que je, je t'ai dit Je vais payer. Hey, quoi de neuf Fatima est là, la fille du milliardaire. Quoi de neuf Ok

Fatimaïla, allez tout le monde, venez vous amuser avec moi. Venez prendre votre part. C'est moi qui paye, ok? Quand je suis quelque part, tout le monde le sait. Combien coûte cette merde? Combien coûte cette merde? Je m'occupe de cette facture, ok? Amusez-vous les gars, ok? La fille du milliardaire, je suis dans la place. Alors amusez-vous. Quoi de neuf? Quoi de neuf? C'est moi qui paye tout. La fille du milliardaire est là. Ok, euh... apportez-moi du poisson braisé. Oui, du poisson, du whisky, apportez-moi tout ça. Hey, tout le monde, venez. La fille du milliardaire est dans la place. C'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Mais franchement, mec, tu as vraiment merdé. Hein? Hein? C'est nécessaire de montrer à tout le monde que tu as faim Non, pas du tout. Non, arrête tes Aina je... je... Laisse-moi je... te dire un truc. C'est elle la fille dont tu m'as parlé, uh -huh, n'est-ce pas Et nous sûr. sommes venus la voir. Elle partage de l'argent et toi tu ramasses. Est-ce que tu réfléchis Je ne connais plus les règles en rien à manger à la maison. Je, en te voyant maintenant comme un affamé, elle ne, elle ne tombera plus dans le, dans le piège. OK. Est-ce que tu comprends ça Il dit OK. Je n'aime pas ces choses, mec. Ne te fâche. Euh, Laisse-moi te dire quelque chose, <coughs> moi te dis quelque chose. Elle est la manne qui tombe du ciel. Elle c'est ma banque mondiale. La man, la man. Tout ce que toi tu vois c'est la manne. Tout ce que tu vois c'est la man. Calme-toi. Ça, 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 ça c'est Calme un éléphant. Calme-toi. Elle a de l'argent. Elle c'est ma banque mondiale. Nous allons commencer le travail immédiatement. Vu qu'elle vient ici chaque jour, demain je vais me préparer et venir. Demain et après, je vais m'apprêter et ah. venir. Quand être marié. Tu es fou dans ta tête. Hein. Elle est mariée, hein? Je suis célibataire. Mec, relax. Laisse-moi te dire un truc. Écoute-moi. C'est maintenant que tu confirmeras que moi, je suis un grand acteur. Ça va se jouer à la rimoise. Oublie un peu ces petits trucs d'escroquerie que je faisais en ligne là. Le tour-ci, c'est le vrai tour. Tu verras. Surtout, ne l'appelle pas la manne. Okay. Ça, C'est un camion, un camion. Calme-toi, c'est ma banque mondiale. Sans Je problème. te dis, c'est ma banque mondiale. Sans problème. On viendra la prochaine fois. Donc prépare-toi. Si je vais te donner 1000 je dollars, je te chasserai. J'ai ramassé 2000. Tu as ramassé 2000? Oui. Il y a encore l'argent pour Attends, ne me toi. laisse pas comme ça. Eh hey, mon frère, frère. Don donne-moi 1000 dollars. Allez, viens, 1000 mon frère. Viens. Mec, 1000 dollars pour arrêter ma poche. Eh hey, mec, attends. On Oga prête! Moussa! Ah ah! oh, okay, Fred, j'espère que, que tout va bien. Comme tu es assis comme ça, tu réfléchis. Moussa, regarde-moi bien. Regarde mon visage. Oui, oui je regarde. En tant qu'esprit, en tant qu'être humain, je donne l'impression d'être quelqu'un qui va bien en ce moment. Et... Voilà, merci. Et... Chaque fois que je vois notre madame, je te jure que l'envie de l'épouser s'empare de moi. Oh, Ouzbillah. Attends. Ah, je savais. Je savais bien que, comme tu es assis comme ça, hein, c'est soit le paludisme ou le corona qui te dérange. Et tu vois C'est donc pourquoi tu t'assois comme ça hein? Tu oses réfléchir que tu vas épouser madame hein? Comme ça, comme tu es là. Regarde-toi-même. Regarde madame. Tu penses que madame peut te marier hein? Tu sais que tu es fou. Oh. Hein Comme tu me vois là maintenant. Tu sais qui j'étais avant de devenir oh. celui que je suis devenu? Je te dis quels sont mes problèmes et toi tu me demandes si je suis ok. Tu sais qui j'étais avant? Tu ne sais rien de moi. Si tu m'avais connu avant, je t'assure que tu me respecterais mieux aujourd'hui. Je te parle à propos de madame. Mm -hmm. Tu sais que madame est bourrée de frites. La fortune dont madame jouit nécessite qu'elle ait un mari. Là, là, là. Ah, ah. Ok! Donc tu veux marier madame? Hein <laughs> Mon frère, tu rêves mal. Continue! <laughs> Continue de rêver. Écoute mon frère, je vais te dire, hein, tu ferais mieux de te réveiller. Tu ferais mieux de te réveiller de ton stupide rêve que tu rêves là. Parce que madame, madame que je connais, hein, voilà, madame ne pourra jamais, jamais, jamais t'épouser. Voilà. Allah, regarde-toi. Un simple chauffeur. Un simple chauffeur. Tu rêves d'épouser madame. Continue. Ouais, 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 ouais. Ah Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une copine dans ce pays Quelqu'un en qui je me confie. Un idiot qui ne me vaut même pas la cheville. Ce n'est pas parce que je suis devenu un chauffeur. T'as pas idée de qui j'étais avant. Moussa, ose me dire que je ne peux pas épouser madame. Moussa, tu me connais Tu me connais Moussa, tu ne me connais pas. Espèce de méchant, idiot. Regardez-moi ce Moussa. Un ennemi du progrès! Idiot! Chai Moussa dit que je ne suis qu'un simple chauffeur. Moi? <laughs> un simple chauffeur? S'il y a quelque chose qui me fait mal, bien c'est ça qui me fait mal! Tu me vaux? Hein Moussa, tu me vaux? Dis-moi, est-ce que tu me vaux? Moussa, est-ce que tu me vaux? Moussa, tu ne me vaux pas! Je t'assure que tu ne me vaux pas! Un oh, pauvre idiot! Le Seigneur te punira! Que Dieu du ciel descende te faire ta fête, qu'il te porte et te mette derrière moi, Satan. Serveuse. Qui est là? Viens, s'il te plaît. Eh, hey, comment tu vas? Je vais bien. S'il te plaît, je veux. J'aimerais te demander quelque chose. Ok. Il y a une femme qui est venue si l'autre jour elle était assise là-bas. Là-bas, oui. Tu la connais Tu as une idée si elle viendra aujourd'hui Oh, tu parles de Tata Bonheur Tu te souviens d'elle oui. oui. Tantine Bonheur. Oui. Tata Bonheur, oui. c'est son nom Non, moi je l'appelle Tantine Bonheur. Ok, vous l'appelez Tata Bonheur. Oui. Ah, oh, ok. Viendra-t-elle aujourd'hui Ah, ça c'est très sûr. Elle va venir. Elle viendra Oui. Ok. D'accord, tu vas me servir à boire. Tu connais le genre de whisky qu'elle prend? Monsieur, son vin coûte très cher. Très cher. Combien c'est? 37 000. 37 000 Naira. Ah. Ah. Dis-moi, dis-moi. Vous vendez un verre de whisky euh, de ce genre? Non, monsieur. Nous vendons la bouteille entière. Eh. Eh. Donne-moi la bouteille. Donne-moi la bouteille. Je vais payer. 37 000 naira, c'est ça? 37 000 naira. Viens avec la bouteille. Je vais je payer. Je t'apporte ça. Oui. Je vais payer. Qui m'a envoyé? Oh. Frangin, je viens juste de me réveiller. Tu n'es pas là? Oui, je ne suis pas là. Euh, je suis dans le bar, le bar habituel que tu connais là. Eh, Frangin, je suis venu voir ma banque. Ma banque mondiale que tu connais là. Et ma part de 50 000 Naira que notre pote nous a donnée? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas laissé ma part. Tu aimes trop l'argent. 50 000. 50 000, c'est quoi? Euh, regarde. Je 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 te, je te rembourserai. Si tu veux, viens, viens au bar là maintenant, je vais te, je vais te donner. Ok, euh, je vais me préparer. J'arrive. Euh, 37 000 euros. Une seule bouteille. Donc est... Ok. Et les filles Fatima la milliardaire est dans la place. Fatima la milliardaire est là. Fatima la milliardaire est dans la place. Et les filles, quoi de neuf, ok Apportez-moi comme d'ab. Apportez-moi comme d'hab. Monsieur, bonjour. Je veux que vous fassiez très vite, ok cet endroit est fait pour les VIP, genre la fille du milliardaire que font les étrangers ici. Eh bien, bien la la personne, personne assise ici n'est pas un étranger, je suis un aussi un milliardaire. Ouais, donc. Euh, si ça ne vous dérange pas, partageons l'espace ensemble. Oh, je vois. On boit la même chose. Oh. Vous connaissez cette marque Je ne savais pas. Ouais, ouais. Ce whisky est assez coûteux. C'est très coûteux, c'est bien. Mmh. C'est très bien. Je peux me le permettre, donc ce n'est pas un problème. Oh, vraiment? Je m'appelle Stan. Je ne veux pas être une personne irrespectueuse. Je ne suis pas une personne arrogante, donc. Fatima, la fille du milliardaire. Stan Phil, le pétrolier. Vous faites dans les produits pétroliers. Je fais dans les produits pétroliers pour vous servir, Stanfield le pétrolier. Intéressant. Ravi de vous rencontrer. Donc les milliardaires parlent aux milliardaires. Oh ouais. Alors prenez place. Très bon soin de whisky. Merci. C'est très très coûteux. Merci. Bon c'est chouette c'est bien. Hé euh... hey oh qui est là? Servez-moi comme d'hab. Et toi Je t'ai dit à maintes reprises, quand tu es dehors, mets un sourire sur ce visage. Mets un sourire sur ton visage et arrête de ressembler à un singe. Hein ah. Ok. Je suis ravie de partager le même espace que vous. Vous semblez hyper généreuse comme personne. Je vois comment vous partagez de l'argent et tout ce qui va avec. Ça me plairait de devenir comme vous un jour. Partageant avec tout le monde, leur donnant de l'argent à tort et à travers. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment l'envie de donner aux gens. Pour moi, c'est une perte. Vous savez, ça m'a coûté beaucoup pour arriver à ce stade. Palier à... À ce défaut, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Ça ne me dérangerait pas hmm, d'attendre de vous. Wow. Ok, je suis une philanthrope. Ok. Donc ma passion, c'est de donner. C'est, c'est mon passe-temps. Ah, c'est très gentil. C'est très gentil. C'est trop dommage que je dépense beaucoup sur mon chauffeur, mais il est toujours affreux. Oh vraiment? Il est toujours comme un ah, singe. ça va aller. Mais que se passe-t-il J'ai commandé le poisson, il n'est pas prêt. Oh, c'est ce que je croyais. Merci. Ok. Combien Combien Votre Facture de 52 deux Oh ça. Ok. La milliardaire. Laissez, je m'en occupe. Incluez cela dans ma facture, ok, okay? Merci. Ah, c'est bon. Euh, venez, venez, venez. 52 000, c'est ça? En fait, euh, je crois avoir près de 70 000 naira ici. Euh, prenez ceci, euh, prenez cet argent. S'il y a un surplus, mettez-le sur ma facture. Ok, okay ça marche. Impressionnant. Ah. C'est la première fois que quelqu'un paye la facture de Fatima. Ouais. Parce que je paye les factures des gens. Vous êtes yeah. une bonne personne, donc parfois c'est bien de rendre l'appareil. En passant, vous êtes. Euh, vous êtes très belle. Ouais. Oh. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a déjà dit auparavant, mais... Vous êtes vraiment très belle. Je veux dire, vous êtes élégante et indéniablement parfaite. Oh. Je. Merci. Je vous en prie. Vous désirez autre chose Je peux... Euh, euh, non. C'est bon euh, Je vais bien. D'accord. Bien, je ne sais pas si ça ne vous dérange pas. J'aimerais vous parler euh, si possible. Peut-être euh, passer du bon temps avec vous, car j'aime votre manière de faire. Et aussi, euh, j'aimerais davantage vous connaître. Qu'en pensez-vous Ce serait une bonne chose, je ouais. crois bien. Et si je vous donnais mon numéro Ok. 090 090 642 642 399 399 24 24. Super. Euh, je vous téléphone, ok? D'accord. <laughs> Fred, fais ton job. Euh, ne te dérange pas, Fred. Laissez-moi euh, laissez être votre assistant personnel aujourd'hui. J'ignore quand je vous verrai. Je serai votre assistant personnel. Ok. Où êtes-vous garé Là-bas, je le ferai pour vous. Allons-y. Qu'est-ce que tu regardes Rien. Rien. Suis-le. Ok. Wow, cet homme, c'est un vrai. Un véritable gentleman, ouais. Fatima, il a payé ta facture. Servus. Servus. Oui. Bien 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 bien, tu es où Où êtes-vous Je vous attends. J'ai j'ai oublié, j'ai des ulcères. J'ai lu cette inscription, je ne peux plus prendre le whisky. Tu vois comme je vais payer l'autre whisky J'aimerais que tu récupères celui-ci. S'il te plaît, reprends-le. Reprends-le. Euh, au fait, l'argent que je t'ai donné, il y a encore le reste. Va vérifier, demande-lui, je lui ai donné de l'argent. Qu'elle vérifie le montant et apporte-moi le reste. S'il te plaît, rapporte l'autre aussi. Il y a de la bière, apporte-moi une bière. Il n'y a pas. Il n'y a pas de bière? Il n'y a pas de bouteille d'eau non plus. Il n'y a pas de bouteille d'eau aussi? On ne vend pas. Pourquoi il n'y en a pas On n'a pas. Ok, rembourse ma monnaie. Tu as vu mon frère, hey, tu as hey. vu la fille, là hein? Tu as bien vu cette fille complètement tout vu. Cette fille, c'est ma banque mondiale. Hey, tu as fini le tableau. Elle va me payer. Hey, ta, 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 ta. Hey, elle va me payer. J'ai déjà peur de toi. Tu <laughs> vas voir. <laughs> elle va complètement tout payer. Elle va tout payer. Elle va nous payer. <laughs> elle va nous payer. Alors, il est temps qu'on célèbre ça. Bien sûr. Ah. Je ah. même déjà, je leur ai demandé. Euh, Quelles apportes Attends, 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 ça me revient. Mm -hmm. euh, Qu'en est-il de notre. Euh, ma part des 50 000 Ego, attends d'abord, tu vas boire. Serveuse Laisse, laisse, attends, attends, attends. attends. donne moi d'abord avant. Je t'ai me... demandé de te relaxer. Non, 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 ne t'inquiète. Allez, vas-y, moi non Tu m'as dit que tu les avais ici, alors Hum, euh, je. Hum, euh, Ego, laisse-moi te donner à boire. Non, euh, non. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je vais... Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Oh, vraiment Je ne t'ai pas expliqué Ah hein Oh, je ne savais pas. Je croyais te l'avoir dit au téléphone. Ok. Laisse-moi te le dire maintenant. Je... Je... Je lui ai acheté à boire. Ah, c'est bien. Et... Euh, Qu'est-ce que j'ai à y voir J'ai utilisé ton argent pour lui acheter tu, à tu, boire. Tu, tu as fait quoi tu, tu, tu vas bien Tu es sûr que tu vas bien Je t'en prie, je peux avoir mon argent. Je ne veux pas du tout de problème maintenant. Tu moi il a mon plus argent. argent. J'ai payé. Euh, tu peux appeler tu peux l'appeler. La 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 arrête, arrête ça. J'ai payé. Stan, arrête cette bêtise. Donne-moi mon argent. Ago, calme-toi, je vais te payer, OK Je vais tu faire ce pas. travail de la meilleure des façons pour qu'on ait euh, Pourquoi euh... n'as-tu pas utilisé ton argent pour ce boulot Calme-toi, Ago. Je vais te payer, non. Cesse de m'embêter okay. avec ça. Écoute, Vers première, 000 Stan, quoi Stan. À partir de maintenant jusqu'à 17h, si j'ai pas mon argent tu, tu... Mais attends tu un peux peu, je voulais donner te donner un boire. Tu ne bois plus Allez, hein? dégage avec cette Tu ne veux plus boire Kabila Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. oh. Je vais payer ton argent, calme-toi. Fred Qu'est-ce qu'il y a ne te fâche pas. C'est quoi le souci Poser une simple question. Simple et directe. Comment mm -hmm. se fait-il que, dans ce monde, mm -hmm. certaines personnes soient plus riches que d'autres Ah ah, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas Non. Mais tu es supposé comprendre, Amaka. Comment Tu es supposé comprendre ce que je dis. Certaines personnes deviennent plus riches que d'autres. Ah, Fred, je ne comprends pas. S'il te plaît, exprime-toi. Ok, directement. Je vais y aller simplement pour toi. D'accord tu sais que madame et moi sommes sortis pour acheter des trucs. OK. On était là-bas, madame a acheté tout ce dont elle avait besoin. De nulle part, un idiot est venu et a payé sa facture, figure-toi. Et ce n'est pas terminé là. Il a porté les choses et est parti les mettre dans la voiture. Comme si ah, madame ah. lui avait demandé. Ah, ah. Hey <laughs> Et pourquoi est-ce que ça te gêne Hein Est-ce que c'est ton argent Ce gars a-t-il payé avec ton argent Bien sûr qu'elle n'a pas payé avec mon argent. Mais madame a demandé, elle ne lui a hey. rien demandé. Hé, hey, Dieu. Fred, c'est comme si tu n'as rien à dire, hein? Je ne veux même pas les tracasser. J'étais très occupée à la cuisine quand tu m'as appelé. La prochaine fois, ne m'appelle plus pour de telles choses. Foutaise. <laughs> Regardez-moi cette idiote. Caméléon. Villageoise. Regardez-moi cette espèce de bon à rien. Tu prétends ne pas comprendre de quoi je parle. Donc tu veux que je commence à exprimer mes sentiments afin que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans cette maison Comment madame a fait pour recruter des gens aussi bêtes pour les mettre dans cette maison On dirait que je suis de loin le plus intelligent de cette maison Hein Hé hey. Kabila, l'argent! Kabila, l'argent! Tu peux savoir pourquoi tu me réveilles comme ça? Hein? Kabila, l'argent! Arrête ça, frérot! Tu, tu m'as réveillé de mon sommeil, c'est quoi calme-toi, laisse les problèmes. Tu dors quoi? Tu n'as pas d'argent, comment est-ce que tu peux dormir? Hein? Laisse-moi te donner une bonne nouvelle! Kabila, l'argent! Parle, de quoi s'agit-il? Calme-toi, frérot! Fatima! Fatima! La vraie. Fati poum poum femme. Elle t'a donné de l'argent? La fameuse milliardaire. Celle que j'ai rencontrée. Ma banque mondiale. Est-ce qu'elle t'a remis mon argent? Non. Elle m'a donné un, un rendez-vous pour un déjeuner. Je crois <laughs> que tu es cinglé. Tu es fou. Tu es un idiot. Pourquoi? Oh, tu as dépensé mes 25 000 naira pour elle. Maintenant tu veux sortir Fréro, avec elle? monde. Calme-toi, tu en fais trop. Hein? Je t'ai dit que je te rembourserais ton argent. Qu'est-ce qui te fait peur? Je te donnerai un déjeuner. Quel ton argent as-tu utilisé pour, pour, pour dépenser pour elle cette fois-ci? Un déjeuner, c'est un déjeuner. Laisse-moi te dire, dans le milieu où j'opère, c'est les femmes qui prennent soin des hommes. Tu comprends ce que je te dis? Regarde-moi, les... mon frère. J'ai des tablettes de chocolat. Un regard sexy. Tu peux confirmer. Avec les poches vides? Mais calme-toi, elle paiera nos factures. Elle paiera nos factures. N'aie pas peur, je te donnerai ton argent. Tu comprends Laisse-moi te dire quelque chose. Ce que j'ai fait pour cette fille, l'achat de toutes ces choses, est une prophétie. Tu vois, c'est une semence. t'assure, Je sais ce que je fais. Allez, arrête. Laisse-moi dormir. C'est une semence. Tu comprends Quand tu sèmes une graine, donne-lui du temps. Épargne-moi. Épargne-moi. Laisse-moi. Laisse-moi t'expliquer ça. Quand tu sèmes une graine, donne-lui du temps. Le temps pour faire quoi Le temps pour... Tu dois être patient, mon frère. Hum. Hum. <laughs> Fatima. C'est quel genre de mec ça il a payé ma facture hier et a promis de m'amener en balade demain. Hmm. C'est si gentil de sa part. Ah. Mais sérieux, personne ne m'a jamais montré de l'amour. Depuis que j'ai perdu mes parents, les hommes précisément. Ah. C'est un mec cool tout de même. Je l'aime bien en tout cas. Oh, Stan. Je t'ai dit d'innombrables fois, ne me donne plus le nom de Madame. Mon nom est Fatima ou tu m'appelles Ceci. Désolé. Pas de problème, je suis de très bonne humeur ce matin. Donc, que veux-tu Merci, Madame. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je souhaiterais que, il y a un sujet dont je souhaiterais que l'on discute, vous et moi. Dis ce que tu as à dire et dégage. Oui, madame. Vous voyez, euh, le jeune garçon, le jeune homme qui vous a acheté à boire l'autre jour. Je n'aime pas cet homme, il ressemble à un escroc pour moi. Fred Madame. Fred Madame. Donc, en fait, tu écoutais ma discussion avec mon ami, l'étranger, n'est-ce pas Hein Madame, je me faisais juste du souci. Oh, En plus, amène ton souci chez ta mère au village. Est-ce que tu me comprends Je comprends. Oh. Remercie ton étoile. Remercie ton étoile. Je suis de très bonne humeur. La prochaine fois que tu tentes ces conneries avec moi, je vais te presser les couilles. Je vais te presser les couilles. S'il vous plaît. Pas hein? mes bijoux de famille, s'il vous plaît. C'est la seule chose dont je voulais l'on parle. S'il vous plaît, hein? pas mes bijoux de famille. Dis-moi. Comment un babouin comme toi Quelqu'un d'aussi laid que toi avec de vieilles couilles entre les jambes. Tu n'as pas la sagesse de savoir que quand ta patronne parle avec un inconnu, tu dois quitter de là. Au contraire, tu écoutais. Es-tu stupide Tu as une case en moi Mais Madame, je n'écoutais pas. Madame, je n'écoutais pas. Oui, okay. je vous le dis, okay. ce gars me semble. La ferme Tais-toi. La prochaine fois que tu tentes ça, comment je peux me réveiller un matin et voir un singe, un vieux singe Comment ça tu as gâché ma journée, car ton visage seul a gâché ma journée. Merci. Dégage. Euh, merci, Dégage. Merci. Dégage. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que je risque de faire un truc de ouf. Pardonne-moi, Oh Seigneur, parce que je risque de faire un truc de ouf. Quand je pense que je veux me réveiller et voir un beau mec, je me réveille et je vois un babouin, un singe. Encore toi Qu'est-ce que tu fais ici T'es venu récupérer quoi T'es venu récupérer quoi Prends donc le reste tant que tu es. Je veux. Idiote Idiote Ne, ne commence pas. Je vais. Je, je, je vais te tuer, idiote Regardez cette fille Toujours sûre qu'elle n'a jamais été ensemble. Je suis sûr que tu n'es pas enceinte. Donc tu m'as dupé tu crois que je suis idiot peut-être Tu crois que je suis idiot peut-être C'est quoi cette... C'est quoi cette chose Si je voulais me marier... Hein attends, attends, attends que je te... Que le tonnerre te frappe Que le tonnerre te frappe Tu te feras foudroyer Je ne sais pas ce qu'il y a, en sorte que je t'approche de moi Des choses aussi ridicules que celle là Idiote que le tonnerre te frappe. Toute ta génération, toutes les personnes qui s'approcheront de toi, toutes les personnes qui voudront s'approcher de toi, le tonnerre les frappera. Idiote. J'ai juste mis le bout, juste le petit bout. Cette femme m'a escroqué, escroqué, escroqué encore. Ok. Ah ben, c'est ce qu'on verra. Johnny, dis à ce mec de me remettre mon argent. Dis à ce mec de me remettre mon argent. Je risque de faire quelque chose de stupide. Tu comprends? Tu es mon ami et tu es adulte. Donc, il y a des choses que je ne dois pas te rappeler de faire. Maintenant, dis-moi la vérité. Pourquoi ne lui as-tu pas donné son argent Je n'ai pas dit que je ne lui donnerais pas son argent. Il y a eu un truc. Tu comprends, Igo. J'ai dû utiliser son argent. Je te remettrai ton argent. Est Calme-toi. Calme Est-ce que tu m'as demandé avant d'utiliser mon argent euh, euh, parle mon pote relax. Tu sais, tu sais de nos jours, le coronavirus tue tout le monde. Donc écoute, d'accord Calme-toi, hein. Continue, explique-moi. Euh, écoute, grand frère. Tu vois, tu me connais très bien, hein Tu vois ce gars qui est assis là J'ai utilisé son argent. Hein C'est lui-même qui m'a présenté à cette femme. Ago. Cette femme pèse 2 milliards de Naira. Et tu me connais. Mmh. Alors, j'ai dû utiliser cet argent. Sa part et la mienne pour lui tendre un piège. Pour l'avoir dans mes mailles. Donc, je lui donnerai son argent. Mais, pour l'instant, j'ai dû investir cet argent. je -ce demandé d'utiliser argent s'il te plaît. C'est vrai. C'est toi qui l'as présenté à lui ou lui oui, à toi Oui, je l'ai fait. Euh, oui, et donc, c'est quoi le problème Hein? Pourquoi est-ce qu'on essaye de casser le jeu C'est un très bon business et c'est en fait maintenant. À présent, il a pris rendez-vous pour la voir, n'est-ce pas Eh bien, réunissons nos idées, on doit t'aider. Je suis à l'écoute, mon gars. On doit mettre cette fille dans ta poche, même si, on est, même si on est loin, même si on n'est pas présent. Écoute, on doit mettre nos idées ensemble pour savoir comment on peut manipuler cette fille. On va la plumer, ouais, mec. Ouais, ouais. Tu parles bien, mec. Tu, tu parles bien. Tu... Tu parles comme mec, chef, mec. Allez. 50 000 c'est rien. Je vais te les rendre bientôt. Je vais te les rendre. C'est hein, rien. Écoute, je vais te donner 25 000. <laughs> c'est juste à cause de toi. C'est d'accord. On doit planifier comment le mettre avec cette fille. On doit la déplumer. Mon frère, je vais te remettre cet argent. C'est n'est rien. Tu me connais. Je vais te tu remettre cela. Tu combien T'inquiète, tu auras ta part. C'est rien. Cet argent, c'est ton investissement. Tu auras ta, ta part de pourcentage. Tu n'as pas, pas suis, encore vu l'argent. Tu auras ta part. Mon frère, donc euh... <laughs> C'est ce qui s'est passé. La le police est arrêté, est arrêté, a arrêté l'homme du PDC pour l'électricité, pour, okay. pour euh, défaut de ne pas avoir de le permis, permis de, conduire de conduire et les papiers, papiers du véhicule. Ouais. Quand il est arrivé au poste de police, tu sais ce qui s'est passé Le monsieur de l'électricité, l'homme du PDC, a découvert des connexions illégales au poste oh, de dans police. Poste. Oh mon Dieu. Alors, <laughs> qui est donc en tort ici Ok, je crois que la faute est de, des deux côtés. toutes les façons, c'est drôle. <laughs> tu es très, très, très drôle. Je dois le dire. C'est toujours bien d'avoir un caractère drôle. Tu sais, la vie n'est pas si sérieuse. Et la joie est essentielle pour un être humain. Tu comprends Tu es tellement belle. On te l'a déjà dit Tu es si jolie. <laughs> T'es beau toi aussi. Tu es semblable à un ange. Moi hein? ah. Très bien, regarde-moi encore très bien. Je ressemble à un ange Bien sûr. Tu ressembles à mon ange. <laughs> tu es tellement brave, tu es si belle, tu es si classe. <laughs> Tu me flattes, là. Je suis une personne très timide. Parce que tu es la fille d'un milliardaire que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux et quand tu veux. Ouais. J'aime tes yeux. Euh, merci. Je t'en prie. Prénonce ceci. Laisse. Ne t'inquiète pas. Je vais te nourrir. Je vais te nourrir. Laisse-moi te nourrir. Tu veux On est dehors. On est dehors. La fille d'un milliardaire ne peut pas faire ce qu'elle veut quand elle veut? Merveilleux. Que du meilleur. J'espère que c'est bon. Ouais. Merci. T'es vraiment belle, tu sais. Ago! Ago, je l'ai berné, je l'ai berné, je te l'avais dit. Donc, tu veux dire que tout s'est passé selon le plan? Quand même, regarde, les preuves en photo. Regarde. C'est sérieux. Hein? Tu vois. Oh. Mon pote, allez. Es Celle-ci est trop grasse. Hein? Est-ce que tu pourras supporter cette fille? Euh, mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Okay. Elle est grasse. Mm. Je sais. Mais son compte bancaire, son argent, c'est ça qui m'intéresse. <laughs> son compte en banque est super gros. <laughs> c'est ça qui m'intéresse. Je veux mec. que ce soit pour moi. Quand tu es gros, on te demande de faire ceci, de faire cela, d'aller en salle de gym, de faire des trucs. Hein? Emmanuel non Donc tu es son régime. Le coach maintenant. sportif de gym. Johnny, l'argent, de cette fille est inestimable. Beaucoup trop. Mais tu vois toi? Tu es trop mauvais. Je, Je vais vous choquer. Mauvais. Nouvelle du jour. Ok. Je vais la demander en mariage. Elle deviendra ma femme. <laughs> Quoi? Je vais l'épouser. Épouser qui? Cette femme. Comment veux-tu épouser cette grosse? Je ne comprends pas. Hey, regarde hey, cette grosse regarde. femme. C'est toi qui lui as dit que son agent est beaucoup et maintenant... Oui, je l'ai dit, mais... Mon frère, il va l'épouser. Attends, sa taille, c'est 44. Oui, sa taille, c'est 44. Dans sa chambre, je vais dormir. Je, <laughs> ne, vais pas, je ne vais pas la toucher. Dès qu'on qu se couche, je dors tranquillement. Allez, les mecs. Je suis prêt à l'épouser. Je vais demander sa main. Je demanderai allons, sa main. Allons-y, main. Oui, son anniversaire, c'est bientôt. Ouais. Moi, moi c'est ouais. mon pourcentage bientôt, que j'attends. Je sortirai le grand jeu. Je vais lui donner une bague. et je ce c'est mon pourcentage. Vous verrez. Écoute, je suis un super génie. Je serai riche fini. avec allons, elle. Vous allons verrez, je serai milliardaire. <laughs> c'est le cœur du bandit qui bat. Allô, marraine africaine. Comment te portes-tu? Je vais bien. Je suis là, tu me manques. Euh, tu as dit. Tu as dit que je te manque. Oui, c'est le cas. Tu as envahi tout mon esprit. Depuis le jour que je t'ai rencontré. Tu me manques encore plus. Je t'en prie. Puis-je te voir demain, si possible? Euh, euh, oui. Juste appelle-moi quand tu es libre. Je suis toujours prête. Oh. Merci. Alors, euh, je t'appelle demain, ok? Bye. Merci. Mogo. Ah, sa voix est si belle. J'aurais voulu qu'il ne raccroche jamais. Ah, oh, il me fait trop de l'effet. <laughs> mm. Marraine africaine, Ganogabier Rwande. »« Stan, mm? merci beaucoup pour l'invitation. Je, je me suis vraiment amusée. T'as fait ma journée. Bien, c'est rien, je peux le faire tout le temps, n'importe quel jour. Je ferai oh. tout pour toi, ok Alors, où sont tes parents Tu ne m'as pas parlé d'eux. <laughs> y a-t-il un problème Est-ce que tout va bien euh, Tout va bien, c'est juste. Ils sont morts et, et je n'aime oh. pas. Parler d'eux, faire remonter des souvenirs et ça me rend triste. Oh euh... non, je suis vraiment désolé pour ça. Je, je suis désolé pour ça, ok? Je suis désolé. Vraiment, vraiment désolé pour ça. Ok. Je ne t'en parlerai plus jamais de ça. D'accord? Vraiment désolé pour ça, ok? Ok. Bien. Peux-tu. Euh, Peux-tu me donner ton numéro de compte afin que je t'envoie 150 000 Naira afin que tu ailles prendre soin de toi aujourd'hui? Tu n'as pas à peux, le faire. Tu peux sortir avec tes copines. Tu n'as pas à le faire. En plus, j'ai beaucoup d'argent pour m'occuper de moi-même. Je ne me Inutile plains pas, chérie. Je ça. ne me plains pas. OK? Après mm. tout, euh, c'est chez toi que j'ai appris à être un philanthrope. N'est-ce pas? Ah, OK, c'est bon, mais. Hé, hey, arrête de te plaindre. Donne-moi ah. ton numéro de compte. Maintenant. Ah, lequel de mes comptes vais-je te donner là? On y va. Deux. Deux.

Oh ben, qu'est-ce qu'il y a Tu perds mon temps. Mais donne-moi mon argent, je pars. Qu'est-ce que tu fais ici Donne-moi mon argent. Donne-moi mon, donne mon argent, Ne crie pas. Qu'est-ce qu'il y a Donne-moi mon argent. Ça fait 500 ans. C'est combien era. ton argent, c'est combien Et puis tu me perds le temps. Donne-moi mon argent, je pars. C'est bon. Prends, 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 prends. Vas-y. 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 Quand on parle du loup, on voit sa queue. Stan, où est-ce que tu étais passé en enfoiré? Où étais-tu? Elle est plus riche que je ne le croyais. Et moi, Bwangjin. Ok, tu es allé voir la maison de la victime comme d'hab. Hein? Mm -hmm. Tu es vraiment un pro tout le temps. Mon frère, je te dis, cette fille est super riche. Hein? est <laughs> no Si vous voyez sa maison, je me suis approché près de sa maison. Si tu vois tu sa te maison. Ta maison, c'est le jouet. C'est ah, le, hey, 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 le jouet. C'est le jouet. écoute. Arrête ce que tu racontes là. N'insulte pas ma maison. Comment okay, tu peux désolé. dire que c'est un jouet Ok. Hein? Non, 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 non. Désolé. Je ne vais pas t'insulter. Euh, euh, Comprends-moi, euh, je ne veux pas t'insulter. Mon frère, si tu voyais. Si tu voyais sa maison. Et non. Si tu voyais sa maison. Euh, écoute, hey Avec cette info, la stratégie doit absolument changer. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que. Écoute. Tu dois évoluer. Tu dois élever le niveau. Ouais, tu as raison. Pour finir ton jeu, c'est la seule façon pour elle de te considérer dans sa catégorie. Ouais. Autrement, le coup va foirer. Sinon, elle finira par te quitter. <coughs> voilà. Je te comprends très bien. Le problème, c'est que... Mm. C'est comment faire pour y arriver. Ah. J'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin d'argent pour, pour, pour finir mon jeu acteur, acteur, Tu vois, ce, ce petit truc, tu n'as pas besoin de demander à rat. Si, il l'aime. Le mmh. poisson, parce que c'est le plus ouais, évident. Fait. Hein Dans la vie, le tout n'est pas d'avoir un ami, mais de savoir. Est-il vivant? Écoute, un vrai ami est un vrai frère. Mmh. Allez, attends-moi là. <laughs> le frère de qui? <laughs> tu dois ah, la faire rêver. Le frère de qui? <laughs> oh, yeah. Elle voilà, le doit y quoi, voir, riche. Voilà, euh, attends, je prends un verre. Ok, <laughs> Les amis valent oh, mieux que la Dieu. famille, mec. Mais cette fille est, qui est super riche, ta t'assure. Faire quoi Tu peux me croire Devenir riche euh, Fred, <laughs> tu as dit que tu voulais me voir. Oui, Tanti, je voulais te rencontrer. Connais le okay. qui dit Le démon que tu connais est de loin meilleur que l'ange que tu ne connais pas. Oui, ça c'est. Merci. Vrai. Mais pourquoi dis-tu ça Je vais te demander de conseiller Madame. Cet homme qui vient tout le temps avec des cadeaux et qui donne encore et encore tous les jours, je te donne le conseil de lui parler de ça. Mais Fred, pourquoi Où veux-tu en venir Je ne comprends pas. Regarde mon visage, très bien. Regarde ce garçon, ce garçon que tu vois là. Est-ce qu'il est meilleur que moi Est-ce parce que je ne suis qu'un simple chauffeur Tout ce que ce jeune homme donne à Madame, je peux donner vingt fois plus encore. Oh, euh, Fred, si je comprends bien ce que tu veux dire, tu veux sortir avec ta ah, madame? Tu te compris? Et je oh. jure Dieu qui m'a fabriqué! Si tu conseilles mm -hmm. madame et qu'elle est d'accord, le présent que je te donnerai, la compensation que je vais te donner, eh bien, je juste étonné! <rire> <rire> oh, je comprends maintenant. <laughs> oh, 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 bien, je comprends. Bien. Et je t'ai Que Dieu te bénisse, merci euh... beaucoup. Ah, mmh. Le seigneur est grand. <laughs> Fred. Écoute-moi. Ah. Et écoute-moi Écoute attentivement. Je vais prétendre n'avoir rien compris de tout ça. La prochaine fois que tu m'interpelles pour me vomir ces énormités, je vais m'assurer que tu quittes cette maison. Et perds ton travail. <laughs> Qu'ai-je fait <laughs> Es-tu normal Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait cette fois? J'ai juste dit ce que mon cœur pensait. Rien de plus, c'est tout. Va-t'en. Je demande de partir d'ici. Qu'est-ce que tu as dit? Hey. Mon ami et toi? <laughs> Foutaise. Euh. Hey. Ago, tu es de retour. Mm. Un vrai ami. A chopé ma maman. Un vrai ami est un vrai frère. And, um. Écoute mon pote, si tu réussis vraiment ce coup, nous serons tous les gagnants dans l'histoire. Hey. Hein. Ok, odogo, oh, s'il te plaît. Mon ouais. système a besoin de manger. Ce qui arrive est plus grand que la nourriture. Hey. Achète un laxatif. Achète un laxatif. Suis-moi. Mon pote, mm -hmm. je fais ça parce que je suis un actionnaire. Yeah. Ouais, c'est pour ça que je le fais. Hein? Euh, en dehors de cette voiture, je vais créditer ton compte. Hein? Oui. Créditer, voilà. créditer ouais, son compte? Reste faire. tranquille, reste tranquille. Je crédite son compte pour notre affaire. No D'accord? Oh. Entre-temps, euh, je fais tout ça pour avoir mon pourcentage. Pourcentage. Sans 100%. Non. 30 20% Tais-toi. 10 ah, Qu'est-ce que tu as donné d'important ici, hein oh, que non, moi, On te donne même parce que c'est toi qui as décoté le business. Odogu, attends un peu. Hein? C'est moi qui la drague. Ouais. C'est moi qui dois l'embrasser. C'est ouais. moi qui vais dormir avec elle. Ouais. C'est moi qui vais me taper qui tout le sale qui boulot. Qui t'a donné de l'argent Ouais, parce que je finance à 100% ce projet. Je te donne en plus de ça ma voiture, tu vois Ah? Hein? Hein? Je vois maintenant. <laughs> Il prendra 5%. Non, non, non. Non non. Aura... non non, non, non. 5%, non. Écoute, 5%, Écoute, écoute. La seule chose qui nous fait savoir que un pasteur et sa femme font quelque chose dans leur chambre la nuit, c'est la grossesse. A <laughs> <laughs> go. Alors, mon pote. Ago. Euh, donc. Ago, euh, Donc, mon pote. Tu as toutes les cartes en main. Je dois réussir. Amuse-toi. Je dois réussir. Amuse-toi. Je, Je dois réussir. Papaya. Amuse-toi, moi, non Amuse-toi, deviens un Crois-moi, crois-moi. Il, il, il doit nettoyer ce siège. <laughs> Tabla. Ton siège, il faut qu'il le nettoie. Ce siège. Parce qu'on <laughs> sait qu'il va y entrer. Frérot, <laughs> ne sois pas jaloux, ne sois pas jaloux Je ne suis lui. pas du tout euh, jaloux. Si ton frère te dépasse, porte son sac. Ok. Uh. Oh, Stan. Oh. Vraiment entre, 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 entre. Tu es le bienvenu. Ok. Entre, entre. Il est sérieux? Bon. Wow. Entre. Bienvenue. Oh, euh, Au Fred! Oga Fred. S'il te plaît, attends-moi, oh, non Ça, qu'est-ce qu'il y a ah. Est-ce qu'il y aura un problème Ah, Oga Fred, il n'y a rien. Je voulais juste te dire euh, bienvenue. <rire> Pareillement. <rire> euh, Oga Fred, cet homme qui vient d'arriver maintenant, là, c'est le frère de madame Frère de madame comme ça Cet idiot Cet idiot-là qui ne veut pas s'occuper de ses oignons, il vient carrément verser du sable dans mon tapioca. C'est ça Gassikia. Ah. ah Attends, Oga Fred je n'ai rien compris du tout. Tu ne m'as rien dit. Ah, tu ne comprends pas? Hein? Ah, Moussa. Hein? Depuis que tu as commencé à travailler ici, toi et moi, est-ce que. Est-ce qu'on a déjà eu des problèmes? Comment Jamais. Jamais, n'est-ce pas Jamais. Les commandants ne se bagarrent pas. Nous sommes des frères ah, ah, de la même famille. Nous rions tout le temps ah, et nous ah, amusons. <laughs> Je te jure au nom de Dieu, ne me laisse pas transférer ma colère sur toi. Ah? Tu m'as entendu? Ne ah, ah, me laisse pas transférer ma colère sur. Mais est-ce que ce que je dis eh, n'a pas de sens? Est-ce que ce que je dis n'a pas de sens? Oga Fred, calme-toi, non? Quand, 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 quoi? Ah, ah, à ce stade? Hein? Oga ah, ah, Fred, j'ai juste posé une question. C'est quoi ces questions? Ah, ah. Hein ouais. Madame a demandé à ce que je fais. Ah. Hein? Mmh. Suis-moi, non? Elle a dit que madame. Je n'entends pas par quoi? Euh, ah, ah, je n'ai pas d'oreille? Ah, ah. Tu, veux, toi, tu... tu vas me dire ce pourquoi madame m'appelle? Calme-toi, calme-toi, calme C'est calme 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 quoi cet homme? Calme-toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoute, n'essaye pas de me corriger. Oh. Parce que si tu essayes, moi, je vais te corriger très bien. Euh, ça veut dire quoi, ça? Ah, je t'avertis. Regarde, oh, madame t'appelle. Tout le temps, tu veux te faire voir. Tu veux te faire voir. Tu n'es qu'un simple chauffeur, après tout. Nelly! Nelly! Oui, Fatima, chérie. Viens, <laughs> viens, viens, viens. <laughs> Coucou, salut. 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 Euh, oui, où sont, où sont les autres? Je te les présente. Oui, nous avons une personne très spéciale, un ami très, très spécial mm -hmm. chez nous. Il s'appelle Stan. Ok. Oui, son nom c'est Stan. Salut. C'est mon ami Nelly. Elle est Bienvenue. Commesseur. Ok. Oui, euh, ici on a Amaka, Billy Kissou, Anita. Ok. Bien oui, bienvenue, c'est Moussa, l'agent de sécurité. Bienvenue, Oga. Ah, mes employés. Donc, c'est toi le commandant. <laughs> je suis à Super. votre service. Ouh, magnifique. Oui, <laughs> euh, tu le connais, Fred, mon chauffeur. Enchanté. <laughs> Madame, je crois que vous avez oublié... Je suis un pilote et non un chauffeur. Oh, en toi Là, ferme. <laughs> Ressaisissez-vous. Ok, madame. <laughs> ne regarde pas ça. Ok, um, bébé, ah, désolé. Stan, bienvenue dans ma maison. Je veux que tu te sentes chez toi. Mets-toi à l'aise. Ici, si c'est ta maison. Ok Allez retourner au travail. Merci. D'accord. Wow. Bienvenue. Heureux de vous rencontrer. Merci. Bienvenue, bienvenue, Oga. Merci. Chérie, sois le bienvenu. S'il te viens t'asseoir. assieds toi Merci. Sois la bienvenue. Ma sœur, les miracles ne cesseront pas d'arriver. Hey! Ça, c'est une surprise américaine, non? Oh. Hey! Ma chère, hey tu t'imagines? C'est la toute première fois que madame emmène un homme ici à la maison. Hey! Bien. Es-tu sûre sais que cet homme n'est pas avec madame à cause de son argent? Je, Je suis sûre qu'il a su à cause de son argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me demandes? Eh, hein Dis-moi. Toi-même, tu vois ça comment? Qui peut suivre notre Madame, cette grosse et laide femme Bon d'accord. Laisse-moi te poser une question. Toi, laisseras-tu ton frère de propre sang oufgheni la fréquenter, si ce n'est pour de l'argent Amaka, ah, s'il te plaît, tu vas me tuer de rire dans cette maison. Mmh. Toi et ta ah. mauvaise bouche. De plus, n'oublie pas que c'est de notre patron qu'on parle ici. Je sais. Hm. Je sais que c'est notre Madame, et Dieu sait que je dis la vérité. Et la vérité. Te rendre à libre. Tu comprends? <laughs> euh, euh, Laisse-moi aller préparer ce qu'elle m'a demandé d'aller préparer avant qu'elle ne se mette à crier. Elle est grasse, mais elle connaît insultée. Je pars. Ok. Hum? Euh, Nelly. Alors, que disais-tu euh, Fatima, je demandais si ce gars, c'est ton ami. Euh oui, qu'a-t-il fait? Euh Fatima chérie, euh euh à quel point connais-tu ce garçon et pourquoi l'as-tu amené chez toi? Oh euh, ça? Oui. Nelly, t'as un oui? Petite amie, pas vrai? Oh oui Fatima. As-tu si. déjà vu Fatima avec un mec? Un mec à elle? Non, Fatima, je ne t'ai jamais vue avec un homme. Ok. Alors, tu veux vraiment que je chasse le seul homme qui m'ait jamais approché Les hommes ne me parlent pas à cause de mon corps et mon statut précisément. Alors, qu'est-ce euh... que tu racontes mmh. Fatima, je comprends... Non, 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 arrête ça, arrête ça. Nelly, tu as trois hommes dans ta vie. Ma meilleure amie, si tu dis que tu m'aimes autant, pourquoi ne m'en donnes-tu pas un Oui, donne-moi un, oui, c'est vrai. Donc, pitié, épargne-moi ton souffle. Comme tu peux le voir, mon visiteur m'attend. Oui, j'ai besoin d'amour. Oui. J'ai besoin d'un mec, un homme qui sera à moi, un homme qui, qui, qui pourra m'en lasser. Oui, j'ai besoin d'amour. Donc, ne dis plus un mot. Okay. Allons-y. Oui, allons-y. Allons Bienvenue. Bien, euh, ce qui a attiré mon attention, c'est sa beauté. Wow. La voir. Elle est tellement belle. Très, très belle. Ajoutez au fait que je sois un homme Igbo. Nous les hommes Igbo, nous aimons, nous aimons beaucoup la chair. Eh? <laughs> nous aimons Bien les femmes avec beaucoup de chair, je suis sûr. J'adore vraiment ça. <laughs> es vraiment très belle. N'est-ce pas la vérité Et quand je lui demande sa date d'anniversaire, elle me dit euh, le 12 août. Et moi, je suis né le 28 mars. Hein? Oui, je suis bélier. Oh. Et tu es le lion. Le lion, c'est le feu. Alors, tu es compatible avec lui. <laughs> Il y a un truc que je veux te promettre. Tout ce que je veux, c'est que tu m'acceptes. Et je ferai de toi une femme fière. Je ferai de toi la femme la plus heureuse de la Terre. Oh. Oui, oui, tu ne vois pas. Du sommet de sa tête à la plante de ses pieds, tout a <laughs> été fait spécifiquement pour moi. J'ai envie de t'embrasser partout. Hey, je suis impatient, impatient. Je suis, je suis, je suis impatient, je t'assure. Ne sois pas timide, nous tu avons été parfaitement l'un pour l'autre. À la fête de Noël, je t'amènerai aux îles Bahamas dès qu'on sera à Atlanta. On ira s'amuser tous les deux. Peut-être après cela, on ira en Californie. Après la Californie, nous rentrerons au Nigeria tous les deux ensemble. Trop ah oui, je prendrai soin de toi. F euh, euh, désolé. Stanfield, le pétrolier. Je t'ai dit que je m'occuperai de tout, s'il te plaît. Au Dougou. Ah. Es-tu... Es-tu de retour au pays Ouais, je viens d'atterrir. Euh, mon vol vient juste d'atterrir. Oh, vraiment Sois le bienvenu, mon frère. Pitié. J'espère que tu es venu avec ma nouvelle voiture. Dis-moi que oui. Oh, bien sûr. En fait, c'est la raison pour laquelle je t'appelle, pour que tu viennes chercher ta voiture. Hé, eh? bison, a <laughs> Kabila, l'argent. <laughs> ok, je suis impatient de voir le véhicule. Je suis vraiment impatient. Ouais, je te rejoins tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, je te rejoins. Hein, ouais. Merci beaucoup, mon frère. frère. Je suis impatient. Tu sais que j'adore la Mercedes-Benz. <laughs> Kabila, l'argent. <laughs> oui, merci. À tout à l'heure. Merci. <laughs> C'est d'accord. À plus tard. Ah, c'était mon ami. Hein? Ton ami riche. Ma voiture est là. J'ai wow. ouais. oh. acheté une nouvelle voiture aux États-Unis. Une Mercedes-Benz GLE ah. 2020. <laughs> wow. Wow. Félicitations, félicitations Merci, merci Il m'a demandé de venir la chercher, tu sais, c'est une nouvelle pépite qui vient d'arriver, je dois la voir okay. Je dois partir tu maintenant devrais. Merci beaucoup pour ton hospitalité, j'ai vraiment apprécié D'accord ah. <laughs> Ma chérie, à Pas plus tard bon. Merci Prends soin de toi D'accord Je pars maintenant okay. merci okay. S'il te plaît, ah, merci. pars ici Ok, il est Par très bien Je reste ici ah. Ça, c'est mon homme. Ah, ok, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Ça, c'est mon bébé. Mais quel boulot. Hey! Me voici à l'aéroport. <laughs> euh, J'espère que ça marchera. J'ai investi mes 10%. Ah. Stan, Stan. Stan, Stan. Où sont-ils Moussa Ah oh, ah oh. Fred Fred Ouvre le portail T'es sourd ou quoi Ouvre le portail Fred Fred, Fred? Ok, je vais ouvrir Fred, non, le non, portail moi-même. Ne fais -moi pas ouvrir ça. ce putain de Je vais l'ouvrir. Non, 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 non. Je oh. le ferai. C'est à moi. En présence de moi. Oh non. Oh, ça va. C'est bon. Ah. Ok. Merci. Ça va. Ça va. Oh. Je vais utiliser ce cadenas sur ton gardien. Oh, ça c'est la meilleure de la journée. Oh non, arrête de pousser le portail. Arrête. Oh. Bossa! Oh Fred! Seigneur. Fred. Tu as dit tu ne tueras point, mais pardonne-moi, Père, car Bossa! je vais faire quelque chose de fou. Fred. Fred. Fred Calme-toi. Je vais péter un câble. Calme-toi. Je vais péter un câble tout de suite. Arrête de tourner en rond. Fred. Arrête de tourner en rond. Tu vas t'évanouir. Oh. Calme-toi. Ne t'en fais pas. OK? Ne, ne t'en fais pas. On va les Transforme-moi, euh, ma meilleure amie, euh, en gardienne. Je viens de pousser bien. le portail, n'est-ce oui. pas? J'ai ouvert. Tu le as portail. poussé le portail. Oui. Oh Seigneur, mon Dieu, pardonne-moi parce que tu as Fred dit que tu ne tueras pas. Mais je vais tuer quelqu'un. Ne tue personne. Je dois tuer quelqu'un. Je te dis ne pas ton nom. Je vais péter un un le café. OK? Non, non. Où est Fred? Ne t'en fais pas. Ça okay. ira. Où est Fred? Fred? Oui. <laughs> Retrouve-moi okay. ce vieux fou. Je vais aller chercher Fred. Oh. Fred oh Seigneur. Oh, je dépense mon Prêt argent, l'argent durement gagné, la fille d'un milliardaire, sur un idiot lâche. Tout ce que j'obtiens, c'est la honte. Il vient de me faire honte devant mon visiteur. Ok, c'est bien. Ok, je suis calme. Ok. Où est ce vieux putain de fou Il est là. Le voici. Viens ici. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens ici. Pourquoi Pourquoi tu fais euh, ça Madame, madame, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Toi, je... je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Mmh, je vais m'agenouiller. Euh, je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Je vais le Laisse chercher. Laissez-moi vous expliquer, madame. Vous m'avez recruté ici en tant que conducteur et non en tant que portier. Uh -huh. Si je vais le portier, alors dis Viens moi qui me verra. Oh madame. Allez, mets-toi Tu ne sais pas que. Madame, qu'est-ce qu'il y a Viens là. Dit. Tu ne sais pas. mets que... espèce de vie Viens là. Fou. là. Que madame, comme qu la banane n'est pas là. Toi, tu fais son job. Je ne suis pas le portier. Et toi, espèce d'idiot, où étais-tu? Madame, j'ai vu la voiture des patrons dehors. Je suis partie l'accompagner. Je t'ai envoyé ah, là-bas. Hein? Oh, Madame, c'est pour sa sécurité. Calme-toi, oh, oh, Seigneur. Calme-toi. Je vais péter ah, un câble tout de ah, suite. Je vais péter un câble tout de suite. Tu vas. J'avais ah, un visiteur ah, aujourd'hui. Ah, ah, il m'a fait, ah, 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 fait honte. Ah, pourquoi il m'a fait honte? Je vais tuer tu le tuer. Oui, je vais le tuer. Tu je vais le tuer. Je Pardon. oh, pardonne-moi. Tu tu tuer. <laughs> je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Je vais tuer quelqu'un. Tu ah, tu Calme-toi. Tu... tu vois, avec ces dix mille, tu, tu vas. Tu... Salut, les gars. Ah. J'habille l'argent. Tu ah. es trop beau, mon pote. Tu es trop frais. Je suis en fin de retour. La fraîcheur. Le PDG. Wow. <laughs> mon mec <sûr>. Wow. Nah. <laughs> Écoute, mon pote, quand tu sors habillé comme ça, toutes les femmes te regardent. Elles sont toutes en route en train de crier. <laughs> Où est la mère qui a enfanté ce, ce garçon Je t'assure. Ouais, ouais, mon pote, t'es vraiment très élégant. Alors, comment ça s'est passé Oh, ça s'est très bien passé. Kabila est un mauvais garçon. <laughs> Quand il m'a appelé au téléphone, il a fini le boulot. Euh, si, si vous, vous avez aviez vu la, vu manière la manière dont elle m'a présenté à ses employés, c'était l'un après l'autre. Je t'ai positionné comme ça. Je t'ai tenu là comme ça, droit. Ouais, comme un cool. gars très riche. Oui, oh, cool. <laughs> Ah, tout s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Cette femme a de l'argent. Hein? Oui. Hein? Et on va prendre cet argent. C'est clair et bien. Quel est ton prochain plan alors Bien. Demain c'est son anniversaire. On va frapper. Demain c'est le jour parfait pour frapper. Ah. <laughs> Donc on doit lui en mettre plan la vie, plan la vie. Pas <laughs> seulement qu'elle craque, hein Pas seulement <laughs> ça. Je vais. Je vais frapper demain. Comment comptes-tu frapper Je, Je demanderai, demanderai sa main demain. demain. Hum? On va se marier. De quoi est-ce que tu parles Tu dis toujours la même chose c'est quoi ton problème, Ago Hein Le mariage est-il une mauvaise chose <coughs> Ce n'est pas une mauvaise chose. Laisse-moi te dire quelque chose. La meilleure façon de séduire une femme, c'est de lui promettre le mariage. Pas seulement lui promettre le mariage, mais commencer des actions directement. <laughs> Lorsque je serai marié avec elle, elle s'ouvrira à moi et j'aurai accès à ses comptes bancaires. Et là, waya waya, je m'envole. Je vais transférer tout son argent dans mon compte personnel. Mon frère, Guitaialaba, n'aie pas peur, hein Mon frère, mon frère, euh, félicitations. Merci, merci, merci. Mmh. Le reménage tu sais, à toi. tu seras mon témoin. Bien sûr, lui, bien crois, sûr. Tu seras euh, <laughs> président, <laughs> euh, président des comités des Tu vas me tuer, mon frère. Tu vas me tuer, <laughs> ok Eh, hey, arrête ça. C'est ma banque mondiale. Eh bien, serveur. Va dans la chambre et apporte moi un bois. Tu fais <laughs> trop rire. Le boss, le Napab, le PDG. Mesdames et messieurs, je, je vais saisir cette opportunité pour nous souhaiter la bienvenue et pour dire que nous savons tous pourquoi nous sommes là. Hein? Euh, Stan a expliqué ce qu'il est. C'est une belle opportunité, hein? Et on le fait pour euh, s'améliorer. Ça fera plus d'argent dans nos poches, OK? Ouais. Donc, coopérons tous et faisons ce qu'on a à faire. eh. président, mais dis-nous nos divers rôles, non? Pour qu'on se mette au travail. Et il n'y a pas de temps. La mama des mama. Mama, ton sang est trop chaud. Calme-toi. Ton sang est trop chaud. Mama Monica. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? Que tu aimes l'argent. Mmh. C'est depuis longtemps. C'est clair. <laughs> J'adore ah, la, la chambre. Et, ok. Euh, Lucie et Gina, vous vous occuperez de la cuisine. Mm? Bon, Debbie, tu feras euh, la lessive. Ok. Mm? Monica, la mama. <laughs> Prononce bien mon nom, Monica. Je vais te dire. Tu seras la grande sœur qui est revenue de... De l'étranger. <laughs> <De Bahama. rire> <Bahama. rire> hein C'est toi le boss. Attends, je n'ai pas encore fini. Euh, Kaby. Mm -hmm. Non, tu vas rester un mec riche. Tu seras son ami, hein Et enfin, moi, le CSO, l'officier en chef de la sécurité. Il aurait dû je être mon assistant. Allez. <laughs> ok, Kaby. <laughs> Eh bien, euh, de maintenant jusqu'à ce que le job soit serré. Stan est le propriétaire de cette maison. Applaudissez, allez! Applaudis, applaudis, applaudis! Sérieusement, les gars, mm. ceci va être une super scène de film. Et, oui. ah, et Nous devons absolument très bien la jouer. Oui. Mm. Nous ne devons pas plaisanter avec. Il y a de l'argent. Oui. Oh. Il y a de l'argent. Okay. Monica est impliquée. Oh non, 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 non. non pas peur. Je vais finir cette fille. Je te Je fais confiance. Ouais. Je vais <laughs> finir cette fille. Ça sera le cas. Ok, venez voir vous-même. Venez juste voir de vous-même comment pouvez-vous rester dans cette maison et vous ne foutez rien du tout. Vous ne foutez rien du tout. Regardez ma piscine. C'est tellement sale. Comment voulez-vous que j'entre dans cette piscine pour m'amuser Quand était la dernière fois que cette piscine a été traitée euh, 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 euh... Euh... Ah, uh -huh. madame, euh... à ma cala traité aujourd'hui. Ne me euh... mentez euh... pas, idiote, que non. Pardon, Vous madame. êtes stupide Non, madame. Vous non, êtes madame. malade Désolée, oh, madame. Vous avez des bananes, c'est ça non, hein? non, madame. Bon, dites-moi, comment voulez-vous que je me détende dans la piscine quand c'est sale Et quand je pense qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et que je veux m'amuser, passer du bon temps, m'amuser, faire tout ce que je veux, c'est ma journée, mais ma piscine est sale. Comment ça se fait Êtes-vous stupide désolé, madame. Désolée, madame. Hein <laughs> Dégagez D'accord, madame. madame. Dégagez idiote. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces filles Oh Dieu, tu as dit. Tu as dit dans ta parole, tu ne tueras point. Oh, pardonne-moi, père, parce qu'un jour, je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer quelqu'un parce que je vais péter un câble. C'est pourquoi c'est vais... là qui intervient, madame. Je suis là, je suis là, je suis là. Ce vieux fouet-là, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a euh, Madame, ne vous fâchez pas. J'ai dit que je voulais vous dire joyeuse nouvelle année. Je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit. Ce vieux fou a perdu la tête. T'as besoin d'une opération au cerveau. Tu as besoin d'une opération au cerveau. Dis-moi. Dis-moi comment peux-tu me souhaiter une bonne année au milieu de l'année. Là, oh, nous sommes. Désolé. en. désolé. Désolé. J'ai fait une erreur, s'il vous plaît. Je veux dire joyeux anniversaire, Madame. Oh. Joyeux anniversaire, Madame. Ça me soulage. Euh... Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai apporté ces jolies fleurs pour vous, Madame. Oh super. Oh oui. C'est gentil de ta part. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Oh. Je vous donne de très jolies fleurs. Très bien. Merci beaucoup. Tu les accueilles Merci. C'est joli. Merci. Oh. Merci. Du rose, ma couleur préférée. Merci beaucoup. <laughs> je le savais juste. Oh. Fred. Vous savez que je suis intelligent. Ouais. Merci. Fred. Hein? Je te paye bien, n'est-ce pas Oui. Je prends soin de toi. Oui, oui. Je m'assure que tu es oh, oui, bien. Oui, oui. Tu m'apportes des fleurs. Tu m'apportes des fleurs. Hein Oh, tu n'as rien vu d'autre à m'apporter. Tu m'apportes des herbes. C'est un plan Elles sentent. De... Oh non, quelle puanteur euh, Quelle non, puanteur ça... Tu m'apportes des herbes. Je veux Je ne savais mange pas ça. quoi acheter. Pardon. La ferme et à Valsa. Pardon Quand fleurs, ça. Pardon Que je mange ces fleurs. Manger des fleurs. Oui, mâche ça. Madame. Oh. Tu veux que je pète un câble maintenant, c'est ça Mâche ça Tu veux que je pète un câble Tu veux que je devienne folle Mâche ça Fred Mâche ça Fred mache... Oh Seigneur, je l'ai dit, je vais devenir folle Ok. Ne t'en fais pas Je ne veux pas me fâcher T'as de la chance Que je suis de bonne humeur aujourd'hui Je ne veux me fâcher de personne Tu allais me sentir Tu me connais Idiot Guenon, singe. Fred, attends-moi, j'arrive. Oh gars Oga, bienvenue. Oga. Son excellence. Comment tu vas? Bienvenue, Oga. Bienvenue. Bienvenue, Oga. Ça c'est pour toi. Wallahi, ah mm -hmm. Oga, merci beaucoup. Wallahi, Dieu va me bénir. Eh Dieu va me bénir pour toi. Hey que la bénédiction vous inonde, Oga. Que ça vous inonde, Oga! Je n'arrive pas à le croire. Oga, wallah! C'est va vous bénir, hein? voilà, ouais, c'est Dieu qui quoi? va vous bénir hein? Hein? Tu parles d'argent là hein? maintenant Quelqu'un vient, il descend de la voiture, il prend 2000 naira, il te donne, tu ne connais même pas la personne et toi tu les prends. D'où crois-tu que cet argent vient ah, Tu n'as pas, pas peur de l'argent des rituels C'est l'argent. Mmh. S'il me donne cet argent, je t'assure que je le déchire devant lui. <laughs> tu ne me connais pas. <laughs> tu me fais rire, maintenant je comprends. <laughs> voilà, c'est la jalousie qui te dérange. La jalousie, c'est ce qui te dérange. Que la jalousie te dérange, ça je le sais. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Je ne te conseillerai plus jamais. Je suis en train de te dire quelque chose qui va t'être profitable maintenant. Ne prends jamais d'argent de quelqu'un que tu ne connais pas. Regarde ses habits. Regarde ses habits. Regarde comment tu il est. Tu dis que c'est un ritualiste. Si c'est facile d'être un ritualiste, pourquoi toi-même tu n'es pas un ritualiste Je ne vais plus te donner et de tu conseils. Tu hein. conduire des Si je te donne encore des conseils, eh ben, traite-moi d'idiot. Je vais te dire Imbécile. Tu appelles qui idiot c'est toi l'idiot ici. Tu dis que je suis idiot. En fait, tu n'es qu'un fou. C'est toi le fou. Fou et cinglé. Malade. C'est ce que tu es. Espèce d'idiot. Tu veux venir me, me conseiller? Moi? Alors, faites chérie, quels sont tes plans pour ton grand jour? Rien de sérieux. Je vais juste aller au bar et m'amuser. Fêter, 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 fêter. Allez, on fait la même chose encore et encore. De plus, c'est ton grand jour. On a besoin de quelque chose, euh, quelque chose de spécial, d'intéressant. Euh, nous avons besoin de. Voyons, tu Comme... sais. Ok. Um, une croisière. Oui. Attends, je te raconte un truc. Quoi Mon chauffeur ne m'ajuste pas. Apporter des fleurs, mais des herbes. Attends. Serais-tu en train de me dire que la Fred a abandonné mmh. Je te le dis. Oh, regardez qui nous a. Mon avons ange là. bien aimé. Bonjour. <laughs> Bonjour. Comment tu vas Bienvenue. Je vais bien. Très bien. Tu es très beau. Super. Toujours. Joyeux anniversaire. anniversaire. <laughs> oh, merci. Où est-ce que tu nous amènes alors Hein Je ne sais pas. J'étais justement en train de le dire. Ah. Je lui demandais. Okay. En tout cas, ça tombe bien. Mmh. Euh, Ma grande sœur m'a demandé de t'amener à la maison. Elle est venue directement des États-Unis. Elle veut te rencontrer. Euh, ta sœur veut me voir Oui, ma sœur qui vient des États-Unis. Ah, okay. Tu sais, elle a plein d'affection pour, pour moi. moi. Elle, euh, elle m'aime tellement beaucoup. Je lui ai parlé de toi. Elle a dit qu'elle voulait te rencontrer avant de rentrer demain. Ok. Ouais. Ah, ça me va. Ok, alors on y va pas immédiatement, je dois d'abord me rafraîchir. Me faire belle. Mais tu n'es pas mal. Et mon amie, elle viendra avec nous. Ok. Euh, euh, ok, viens on y je va. Je suis bien comme ça. Je vais juste changer de chaussures. Ok. Mm -hmm. Ok, je vous attends les deux. D'accord. D'accord. Si je fais ça. Euh... Sa sœur veut me voir, Fatima chérie. Oui, ma chérie. Ce gars est en train de devenir sérieux avec cette relation. Tu le penses Oui. Et quand je pense que sa sœur veut me voir, tu penses qu'elle va m'apprécier Fatima, voyons, je t'aime, alors tout le monde devrait t'aimer. Ok Ok, mais tu dois m'accompagner chez lui. Bien sûr. J'irai avec toi partout dans le monde. Tu te souviens Souviens-toi. Sœur pour la vie. Mm -hmm. Maintenant, allons nous préparer, ok D'accord. <laughs> j'ai trop hâte. Voir de sa la voir. sœur. J'ai trop hâte. Faire. Elle ne m'aimera pas voir Oui, elle le fera. Tout le monde t'adore. <laughs> Je te le dis. <laughs> hein, j'ai failli m'évanouir oh, quand j'ai oh, vu oh, la fille. <rire> <rire> Ce n'était pas facile. Ah, Ah. pot, bon, c'est là. <laughs> Calme-toi. Hey! Le grand boss est là! <laughs> Le boss! Ah! Mon Oga! Bienvenue, monsieur! Euh, où se trouve ma sœur? Elle est à l'intérieur. Tu vas bien? Oui, boss. Mon bébé est là! Mon bébé est là! <laughs> ouais, mon petit bébé est là! <laughs> Chérie! Mmh. <coughs> mon bel ange est là. Mon ange est là. Allons-y, allons-y, avançons. Mon bébé pour la vie. Mon bébé pour la vie. Bosse, mon vrai boss. Bosse, mon hogar. Mon bébé pour la vie. 30%. <laughs> Mon bébé pour la vie.

C'est bon, c'est bon, c'est bon. bon. Tiens. Joyeux anniversaire à la meilleure femme de ma vie. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je prie que ce jour t'apporte beaucoup de joie, tellement de bonheur, de bonnes choses, tout ce qui est bien t'arrive. Au nom de Jésus. Amen. Je te Amen. promets de t'aimer pour toujours. Oh. Pour la Merci. J'ai un truc pour toi. Sois juste attentif, focalise-toi sur moi. D'accord Ok, tourne-toi vers là-bas. Tu vois Tu ne vois pas Ok, retourne-toi et regarde. Oh oui Dis oui <laughs> Dis oui 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 Dis oui, Did oui. Did oui. <laughs> ouais. Ah. Oh. Merci. Ah. Où est mon verre? Où est mon verre? Où est passé mon verre? Hein? Ah. <laughs> Mon frère, tu es sorti pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Il fait trop chaud à l'intérieur. Quelle chaleur Le climatiseur est allumé, non ce qui me dérange, c'est la chaleur interne, la chaleur profonde. À l'intérieur de moi, la chaleur se bat contre elle-même. Et oui! Ah, ok. Attends, je t'apporte ton plat et ton verre dehors. Euh, non, non, merci. Ah, ah merci de quoi? Tout ce que je dis, tu dis merci. Mon gars n'est pas un petit, hein. J'ai pitié de toi. Il a de l'argent. Si tu avais, il y a plein de boissons. Je peux entrer et t'apporter une te bouteille dérange. Ça te dérange en quoi? Hein? Tu me proposes d'abord. Je te dis que je ne veux pas boire. Est-ce que c'est une obligation Tu me demandes de manger euh, comme si j'étais un enfant. Tu veux me tuer et tu dis avoir pitié de moi Mais attends, c'est quoi ton problème Qu'est-ce qui te dérange C'est quoi, quoi ton qu -ce problème Pourquoi cette te concerne que je boive ou que je bois boive pas Tu es normal Tu cries sur qui Tu es malade Tu ne me donner de l'alcool Je t'en ai demandé ça, je t ai Tu peux demandé, avoir de l'argent comme mon boss. Tu parles à qui Regarde Tu ne me connais pas. J'ai pitié de toi. N'importe quoi. Bâtard. Tu es sûr que tu n'es pas notre voisin la femme qui est notre voisine, euh, son grand frère. Tu aimes trop les problèmes. Avec ta face noire comme les fesses d'un enfant. Mogo. Fais attention, je te sens jaloux et aigri. Espèce d'idiot. Chèvre. Oui les gars, j'ai convoqué cette réunion après notre petite fête pour officiellement présenter... Notre personne la plus importante dans la maison. Vous la connaissez. C'est ma bien-aimée. Ma charmante. Ma séduisante. Ma lumière. Ma Jamaïcaine Fatih Boumboum. <laughs> ma bien-aimée, bienvenue à la maison. Ok Bien. Voici mes employés. Oui, permets-moi de te les présenter. Commençons par le CSO. Le chef de la sécurité de cette maison. Le directeur général ouais. En personne. <laughs> ouais, c'est le gardien de la maison. Oui, il est marié avec trois enfants déjà. Et voici les domestiques de la maison. Je les ai principalement embauchés pour toi. Elles sont là pour te servir. Et voici mon pote. Mon ami pour la vie. Mon garde. <laughs> ouais, son nom c'est Kabila. C'est le PDG. De Kabila, allié de ressources, il fait la production de l'énergie. Oui, il fait de l'import-export. Il est vraiment riche. Oui, c'est son épouse, mmh. sa magnifique épouse. Mmh. Oui, c'est son épouse, mmh. sa femme. Tu la connais déjà? Waouh, elle est magnifique. <laughs> oui, oui, oui. Et voici salut. ma magnifique l'unique, <laughs> ma sœur. Oh. Et ma tante des États-Unis. Oh. Elle vient tout droit de l'Amérique. Wow. Elle m'a dit euh, ceci, qu'elle voulait te rencontrer. Mais selon elle, ce sera plus tard une discussion de femme à femme. Oh, oui. ma belle, <laughs> je suis ravie de te rencontrer. <laughs> oui, oui, oui. Tu es, la bienvenue Alors, dans dans cette, tu es la bienvenue dans cette grande famille. Oh, oui, ouais. <laughs> s'il <laughs> te plaît. Merci. Prends bien soin de mon frère. Je le ferai. <laughs> je t'en prie. Alors, les gars, retournez à vos postes de travail. Allez-y, mais comme je l'ai dit, je ne veux pas de problèmes dans la maison. J'ai de très importants invités dans cette maison. Oui, boss. C'est compris. compris Le boss, oui, boss, pas de bruit, rien. Sans Retourne à ton poste. L'oreille qui entend. Eman. Elle est plus grande <laughs> qu'Eman. John Johnny, Roy. ferme et, le portail et assure-toi ah, que personne n'entre. Ah, ah, Qu'ils s'en font, quiconque montre la tête. D'accord. Je coupe ouais. simplement. Alors les gars, <laughs> bienvenue chez moi. Je vais, je vais parler à la cuisine. Je vais Je leur, vais leur demander de préparer, de préparer le, repas. le repas comme ça après on pourra manger et danser. Danser, danser, danser. Comme ça. Comme une ouais, peau. ouais, ouais, ouais. <laughs> C'est ma meilleure amie. Je peux te arquer pour toi bébé. Mmh. Crois-moi bébé. Ouais. Je suis timide. <laughs> Je vais danser avant qu'ils ne viennent. <laughs> Hey bébé, bébé, ce n'est pas très convenable. Euh, tu vas bien? Ouais, j'ai juste envie de toi. Je sais, mais nous devons d'abord officialiser les choses. Tu me comprends? On doit d'abord se marier à l'église. Peut-être après le mariage, je te donnerai cela en gros. Est-ce que tu comprends? Ne commençons pas de la sorte. Je, je veux, veux qu'on aille au ciel, ciel qu'on qu soit, qu soit un super couple, couple destiné par le paradis. Ok? La Bible est contre tout ceci. L'Église condamne cela aussi. Bébé, je sais, mais tu m'as demandé en mariage et, et j'ai accepté. Donc, c'est pas comme si. Tu es à moi, je suis à toi. Donc, je sais, mon heureuse. bébé, je sais. Ce que je dis, c'est ceci. Faisons d'abord. Faisons d'abord le mariage à l'église, ok Ne péchons pas contre le Saint-Esprit, ok Après le mariage, je te promets, je le ferai, je te ferai l'amour de manière intense, ok Je ne veux pas qu'on pêche, je veux qu'on aille au ciel. Un super couple qui ira au ciel. Quand on ira au ciel, on continuera de s'aimer. Hmm? Bébé, dors maintenant, ok D'accord Ok mmh, Merci. C'est bien. Oui, mon bébé, pour la vie. Mon bébé 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 pour la vie. Bébé, tu dors, tu ne dors pas Ok. Tu vais essayer. Dors. 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 Fatima, je suis si heureuse pour toi. Tout semble aller. tellement vite. Et. Euh... je suis heureuse moi aussi, mais. le plus triste, c'est que mes parents ne sont pas en vie pour voir ce qui arrive. Mais, Fatih, s'il te plaît, ne prends pas mal. Mais à quel point. connais-tu ce gars Je veux dire, l'as-tu étudié euh, euh... Es-tu sûr qu'il ne profite pas de toi Profiter de moi Oui Comment Le mec en question est un gars super riche. Stan est un mec très riche. Comment et pourquoi voudra-t-il faire ça euh, 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 euh... Je pense... Euh, ok, ok, euh... j'ai bien compris. À ce niveau, je sais que le destin nous a mis ensemble. Il est riche et je suis riche aussi. <laughs> le destin, tu dis oui le destin. Non. Ok. Je demande. La dernière fois que tu étais avec lui. Je veux dire, la dernière fois que vous avez passé la nuit ensemble. A-t-il essayé de. Ok. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire. Ok. Dis-moi juste ce que tu veux savoir et je te le dirai. Je te le dirai. Ma puce. La dernière fois que j'étais avec lui, il m'a repoussée. Ah. Oui, j'ai tout essayé pour le pousser à me toucher. J'avais grave envie de lui, mais il a dit non. Qu'on doit attendre après le mariage. Donc, <laughs> c'est un mec cool. Ok. Tu sais que je t'aime et je t'aime aussi. Je je suis juste inquiète. Mais maintenant, avec tout ce que tu as dit, ok, tu as tout mon soutien. Wow. Merci. <laughs> ok. Mouah. Ça mérite d'être fêté. Alors, qu'est-ce que tu as <laughs> Ok, on va sortir, mais à une condition. Dis-moi. Si mon bébé se pointe, oh que non, on ira nulle part car j'ai envie de passer du temps avec lui. Tu aimes les hommes, je te l'ai dit. Avant. Ce n'est pas de ma faute. Ce gars est si romantique. <rire> <rire> je te comprends. <laughs> Ah, ah, les gars, vous êtes de grands acteurs. Franchement, très ah. bon jeu d'acteur. Tu sais quoi? À un moment, j'ai failli. Hein? hein Attends, je vais te dire. La richesse te convient. Dis-le encore. Honnêtement, l'argent te <laughs> va si bien. Je t'assure. Hé hey. Et lame-dame. <laughs> J'étais en train de te regarder lorsque je nous présentais. Je dis ah! <laughs> Mec, avant que cette fille ne se rende compte, ses comptes seront déjà vidés. Euh... Et je me demande où tu seras. <rire> bien. <rire> Mais sans mancher les mots, je serai dans une des îles du Bahamas, en train de m'amuser sur le Walk of Fame de Los Angeles, en Californie. Ouais. <laughs> euh... Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Elle ne saura rien. Avant qu'elle ne découvre, on sera déjà très loin. Et je ne serai plus dans sa vie. Euh, mais la vérité, c'est que tu dois te dépêcher, mon frère. Avant qu'elle le découvre. Ago, ne t'inquiète pas. Hein Kabila l'argent. Ne t'en fais pas, c'est moi qui gère tout. Ah Calme-toi. Bon. Je vais l'inviter afin qu'elle vienne à la maison. Me voir. Et quelle maison est la tienne Mon édifice. Ma maison, <laughs> le, celle de Johnny. Johnny est mon gardien. Où est-il Le gardien du boss. Qui qu vient de nous ouvrir le portail. <laughs> tu peux le redire encore, mec. <laughs> oh, Lave mec. ma voiture. Lave vite ma voiture. hein? Fais-le vite. hein? Parce que je dois sortir. Merci. <laughs> reviens ici, reviens. Bébé Bim. Oui, bébé. Mon petit cœur. Oui. Ma Jamaïcaine Fatih Bombom. <laughs> 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 Mon bébé. Je voulais te demander un truc. Ok. Quand vais-je venir voir ta famille? Ouais, je vais aller au village pour payer ta dot. Je veux faire le mariage traditionnel afin que tu deviennes mon épouse. Légalement et formellement. Bébé. Tout va bien? Pourquoi ton visage est triste comme ça? Ok, ok, désolé. Ok, mais la vérité est que. Je veux juste que les choses deviennent formelles. Je veux prendre soin de ma femme, tu me comprends? Je sais. Mon oncle, il a tué mes parents et le revoir me, me rappellera ce dont je ne veux pas me souvenir. Oh, vraiment Oh, quelle tristesse, je suis vraiment désolée pour ça. Ok. Alors, euh, que suggères-tu Bébé, je pense que le mariage civil est mieux. Ça, c'est si tu es d'accord. Le mariage civil me convient. Ton bonheur est ce qui compte. Du moment qu'un truc te rend heureuse, ça me rassure. Je t'aime chaque jour et je t'aimerai à chaque jamais. Chaque jour, je t'aime à jamais. Mon délice sucré. Ma jamaïcaine <laughs> fatigue, boum boum. <laughs> tu me rends très heureuse. Ouais, je te rendrai heureuse toute la vie. Je okay? t'aime tellement. <laughs> ça te plaît?